Bon allez, on va y aller, les petits amis. Surtout que ce soir, vous allez voir. Attendez, je ne suis pas seul. Regardez bien avec moi, vous avez Pilou. Bonsoir à tous. Voilà, il est bien caché. C'est l'homme invisible, hein, parce que Pilou, en fait, s'est habillé en vert. Et je lui ai dit, ne fais pas ça, mon bon ami. On ne te verra pas sur le stream. Il ne m'a pas écouté et donc il est là, tout vert. Hein. Voilà, regardez bien où je le touche. Là, vous voyez, grand talent de mime, hein, de Rilmiop. Et donc. Eh bien, je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas stream, tout ça, que je voulais faire XCOM. Et ben que voilà, j'allais vous inviter dans le jeu. J'ai pas vu grand-chose, j'ai vu Twin un peu y jouer. Et Moi aussi, j'ai puis, regardé Twin jouer à ce d'accord. jeu. Alors, la musique va peut-être être un peu forte du jeu. Je vais baisser dans les options. Master volume. Voilà, on va pas mettre trop fort. Vous me dites, de toute façon, on va gérer ça comme on peut. Donc voilà, bah Pilou, toi ça va? Écoute, oui, ça peut aller. Ouais, t'es en forme là, t'es bien? Ouais, bah pour XCOM, toujours. Voilà, pour XCOM, on n'a pas le choix, il faut aimer le jeu. Dites-moi aussi si le stream ça marche bien. Voilà, on est à la cool quoi. Eh bien écoute, on va y aller, hein? Je pense que tout le monde est là, c'est ce qu'on a vu. Donc on va faire stratégie, hein, new game. On va peut-être expliquer le principe aux gens qui connaissent pas le Je vais jeu. laisser le tutoriel. Ah, d'accord. Salut indigeste. Coucou. Show subtitle. Voilà, je vais jouer en vétéran, qui est challenge appropriate for players familiar with XCOM, ce que je dois être à peu près. Je vais pas jouer au-dessus parce que sinon ça va être l'infini. Et puis on va voir si je m'en sors. Si jamais c'est trop dur, je pense que je peux changer la difficulté. Bah ça, oui, hein, c'est. Oui. Ah oui, non, mais c'est clair qu'il joue pas. Oh, et bravo à le Namek, hein, qui a quand même 10 mois de subscribe. Si c'est pas magnifique. Le voilà, hein, ce bon fils de riche de Namek. Je vais peut-être le mettre un peu plus grand, parce que là, c'est vrai que vous n'avez pas le droit à la petite danse. En tout cas, merci au Namek, hein, pour ta fidélité. C'est impressionnant. Je suis très, très impressionné. Voilà, là, il est un peu plus grand comme ça. Hop, ça vous avez le droit au rimyop qui danse que vous aimez tant. Eh bien écoutez, start game. L'excitement continue de construire des centres de villes à travers le globe, préparés pour le 20e anniversaire de l'unification. D'accord. Des milliers se trouvent au site du Grand Accord, célébrant la formation de la Coalition d'Advent. En gardant leur promesse à l'humanité, 12 nouvelles cliniques de génie thérapie seront ouvertes dans certaines villes à la fin du nouvel an. Despite the attempted attack by French elements, operations at the new facility in Paris thankfully remain unaffected. In response to the unprovoked intrusion on the eve of our most beloved celebration, the speaker reaches out to us. A small number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate the benevolent savior who time and again offers only friendship and compassion. Yet these trivial actions could never break the bond between humanity and the elders. Tant qu'on va construire des pyramides. Forces have already made several preemptive arrests of known collaborators. Advent again assures all citizens that today's celebrations will continue as planned. Perfect. The Advent administration reminds you to record all suspicious activity to your nearest. Ah, vivement le futur. Approaching position. You were right. They've definitely got their hands full today. Stay focused. Prep gate crasher. 60 seconds. Parle bizarre lui. Mais oh! Ça fait mal aux côtes ça! Now.
C'est des terroristes. Signal received. Loud and clear. Okay, Gatecrasher. Your turn. C'est un peu à Fortress, ouais. Ah, on descend des cordes. Passe par la corde. Passe par la corde. Ah, de toute façon, tout l'intérêt, ça va être de pouvoir renommer les personnages par les gens du stream. Eh oui. C'est ça qui va être drôle, quoi. On va peut-être faire un stropole à ce sujet, d'ailleurs. Ah bah, si vous voulez faire des stropoles, allez-y, hein, je vous empêche pas. Sinon, j'aurais été complètement arbitraire. Maintenant, je suis plus un professionnel, hein, tu sais, moi, je m'en fous. Hein. Ah, tu prépares pas cette vidéo pour un speed game ? Ah non, mais non, je ne vais pas. Peut-être qu'un jour, vu que je sens que Twin va être chaud, on risque de le présenter quand même, parce que ce sera par amour, quoi, pas par passion, pas pour l'argent. D'accord. Voilà. Alors, donc, si vous n'avez jamais joué XCOM, bah, démerdez-vous. En gros, en bas, là-bas, là, vous voyez, là, vous avez deux petites actions. Ici, je peux soit regarder, soit tirer, mais là, il n'y a pas d'ennemis. En gros, on se déplace, c'est du tour par tour, personnage par personnage. On ne bouge pas tous les personnages et ensuite, c'est la fin du tour. C'est tour par tour, si je me rappelle bien. Vous voyez ici aussi des petits trucs de défense. C'est la quantité de couverture que vous offre l'endroit où vous allez aller. Donc là, c'est une demi-couverture. Ici, c'est pas de couverture. Je ne sais pas s'il y a un endroit qui affiche full couverture. De toute façon, je pense que le tuto va nous expliquer tout ça. Donc voilà, je fais clic droit, je me déplace pour aller là. Et normalement, je vais avoir une deuxième action, voilà. The unit flag shows the selected soldier's health. Voilà, donc ça, c'est ses points de vie. Et en dessous, c'est son grade. Voilà, c'est ça, hein. Ah non, c'est le nombre d'actions. Voilà, il lui reste une action, parce qu'on a deux actions par tour. On peut courir et tirer, par exemple. Mais là, je ne sais pas si je peux faire autre chose. Je ne sais pas s'il veut que le jeu... D'accord, donc là, il me dit, en gros, tu peux aller là et tu seras complètement à couvert, à 100% de couvert, enfin, plus de couvert. Donc, il veut aller là. Donc, il se déplace deux fois. C'est mieux. D'accord. Donc, elle aussi, elle veut aller là. Est-ce que le jeu est assez fort ? Alors, on a différents types d'unités. Le QM du geste qui va faire partie de l'équipe de Rubio. Quoi ? Quoi ? Vous voulez pas faire partie de mon équipe ? Pour l'instant, il n'y a que un digeste qui a levé la main. D'accord. Bah, c'est pas grave, il y aura 5 indigestes. Alors, on peut dire d'ores et déjà qu'il y a le Namek aussi. Je pense qu'il va faire partie de l'équipe. Alors, most missions start with the squad in concealment. Use concealment to set up ambushes. If any of your soldiers are spotted, all of your soldiers lose the benefits of concealment. Ah, oh, c'est nouveau ça. Donc là, on a tendu un piège aux ennemis. Donc voilà, les ennemis ne savent pas qu'on est là, et tant qu'on n'est pas vu, quoi, d'accord. Donc on peut tendre des embuscades, ça c'est cool. Donc je peux rester en mode, vas-y, on va tendre une embuscade, quoi. Il faut que j'avance, là, je fais quoi, ou j'attends là. Je peux faire juste rien. Ça y est, des gens lèvent la main. Ah. Je vais aller par là, je sais pas si... Ah, il faut que j'aille là. Je peux aller directement là. Donc on me dit pas pour le son, hein, mais bon, c'est que ça doit aller. Hein, si ça vous... doit aller. Ok, voilà, je peux pas faire grand chose à part obéir au tuto. Hein. Salut Paul. Salut à tous, hein, évidemment, ceux qui arrivent. Alien Activity. Oh là là. C'est classe, on dirait un peu des robots de d'Evangélion, les mecs, quoi. Donc il faut que je tue les soldats. C'est 4 soldats. Très bien, il manque 3 points de vie par soldat. Press Enter ou clic droit to activate the tactical button. Il faut d'abord que je me bouge, non? Oui, ah non, je suis obligé de tirer de là, quoi.
Ça, c'est hors de ma vue. Bon, on a 10, 10 personnes qui veulent faire partie de l'équipe. Bah, ça suffira. Ça suffira. Du coup, le Stropole est lancé. Votez pour qui vous voulez voir. En premier, en tout cas. Ah, j'ai oublié de me mettre dedans. Ah, mets-toi dedans. Puis, enfin, t'es un peu obligatoire. Mais... C'est trop tard, je crois. Press Enter or Next Button to activate the tactical UI. Ok. Le clic gauche marche pas. Hein. Fire Weapon, 68% de hit, 40% de critique. Bah écoute, ouais, et lui. Je peux pas changer de personnage? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah, c'est une autre arme que j'ai pris là. Attendez, je comprends pas trop. Ça a un peu changé, j'ai l'impression. Wow, pop, 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 pop. Ah ouais, alors attendez, est-ce que là, c'est le bordel, si... Ah. Oh, Hydro Bobon qui est à 11 mois de subscribe, bravo, félicitations. Bonsoir, Hydro Bobon. Alors, attendez, est-ce que... Wow, mais... Voilà, ok, 67, 67 et 66, donc lui, c'est bien 68%. On va faire un Fire Weapon. Ah, je l'ai one-shot. Là, je pense que par contre, ils vont me voir maintenant. Hein. Alors, attendez. Alors, allez, là, ils sont pas contents. C'était clic gauche sur la première icône en bas au milieu. Ah oui, d'accord, il fallait que je clique là. Alors, apparemment, ouais, le son du subcrab est fort, je pense. Ah bah oui, mais c'est fait pour. Voilà, c'est pour que, voilà, on ne te rate pas, quoi. Salut, c'est Kanto. C'est Kanto. Et merci pour le follow, Bifol. Alors, 63, 38 et 35. On va tirer 63% sur le monsieur. Fire ton weapon. Voilà, c'est beau, ça. Il nous en reste un. Donc là, je peux rien faire. Je suis obligé d'attendre. Il me tire dessus, le salaud, mais je m'en fous, je suis à couvert. Voilà, ça t'apprendra à essayer de me tirer dessus. Toi aussi, tu vas essayer de me tirer dessus, je suis à couvert. Oh non, elle a eu mal. Elle est morte? Ah ouais, elle est morte. J'avais pas le choix, de toute façon. C'est scénarisé. Putain, elle s'est fait one-shot, la pauvre. Ouais, de toute façon, je peux rien faire vu que les persos ils vont forcément là où ils veulent, quoi. Ouais, le jeu me dit fais ci, fais ça, voilà, ok, quoi. J'ai plus de tour là. Alien Activity. Et merci à Pape Pilan et Hukogans pour le follow. C'est la follow hype. C'est la follow hype. Et effectivement, merci. Et salut Twin. Ah, salut Twin. T'arrives pour le tuto, effectivement. On veut Twin dans le Stropole, bah oui. Mais je ne peux plus changer. Ah bah, on la met... il sera de force dedans. Quoi? Ils nous ont modifiés? Quoi? Ouais, d'accord. La voix de Pilou est vachement trop forte. Je peux changer ça. Hein. Let's move. Allô? Oui? Je suis assez fort maintenant. Non, mais t'as toujours été assez fort, toi, je pense. Ah, mais je suis trop fort. Ouais, c'est bon. T'es trop fort aux jeux vidéo. C'est vrai. Ouais, le truc, c'est que ouais, t'es sûrement un peu fort, surtout par rapport au niveau du jeu. Mais je peux baisser tout et monter le jeu. Vas-y.
Je viens faire des mix. Bonsoir. Je joue en normal, vétéran, je crois, c'est ça? C'est vétéran le niveau de difficulté? Il n'y a qu'un Aucune truc idée. qui m'énervait un peu, c'était comment tourner la caméra. Use Q and E to rotate the camera easier. Bah, c'était là, non? À moins que je sois pas sur un clavier. Enfin, même, c'est pareil, Q, Q. Ah là, il faut que j'utilise Overwatch, forcément, quoi. AE pour tourner la caméra. Ouais, c'est... Ah, il est en QWERTY, mon clavier, c'est pour ça que ça marche pas. Enfin, il est en AZERTY, justement. Attendez. Ah, c'est relou, là. Edit option, gameplay, interface, bidding. C'est quoi? C'est navigate up. Ça devrait être Z, down, A. Voilà. Attendez, c'était comme ça. Oui, non, mais. Pourquoi je peux pas bouger? Hé! Hey, mon cul, il marche pas! Faut faire une quote, ça y est, c'est bon. Ça, il n'y a pas screen ce soir. Ah, ça, vous êtes niqué. Hein. Navigate right, pourquoi? Ouais. Mon navigate left veut pas se mettre. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, primary. Je ne comprends pas du tout. Ouais, je peux pas aller par là, sauf. Ouais, il veut pas enregistrer mes touches, quoi. Ah, il y a quand même des gens pour mettre des coups, hein. Ça va. Il faut que je fasse quoi là? Ah, j'ai eu des reinforcements, c'est ça? Ah, mais c'est chiant de ne pas pouvoir se déplacer là. Edit option. Chaque fois, j'ai des problèmes de gameplay, quoi. Croctoc se dit que tu dois avoir deux touches enregistrées pour Q. Elle marche vraiment pas, hein. Tout marche bien, sauf ça, quoi. Et j'ai, en fait, c'est A qui continue de faire le truc, quoi. J'aimerais bien mettre Q à la place de A parce que c'est très déstabilisant en fait. Parce que là, il me fait croire que c'est A quoi. Voilà, A, Q. Où il faut faire. Up, down, left, right. Voilà. Ah, ça ne change jamais rien. C'est comme s'il sauvegardait pas. Ah, les touches secondaires marchent pas chez toi. Mais moi là, j'ai presque tout qui marche. C'est juste A et Q qui sont inversés. Et c'est pourtant quand j'appuie, quoi. Oui, je vais peut-être faire ça, je vais reset les paramètres et faire Alt Shift, effectivement. Mais bon, ça veut dire que. Voilà, hein. Désolé, les amis, je n'avais pas prévu ça. Set to default,
confirme. Et save and exit, save and exit. Et donc là, ça fait de la merde. Voilà, donc là, ça fait de la merde. Alt-Shift, c'est ça. Hein. Voilà, ouais, effectivement, autant faire Alt-Shift, hein, ça ira plus vite. Là, ça marche. Oui, c'est beaucoup plus agréable à jouer. Ah. Donc, j'ai eu mon reinforcement, mais je sais pas ce que je devais faire avec. Bah, je sais pas où je vais, en fait. Je vais aller dans le bâtiment, là. Ouais. Il faut que j'aille là. Je peux aller là d'un coup? Le tuto, il est tuto, hein. Il est tout droit. Hein. Waouh, le mec, il pète la vitre et tout. Ah, c'était tactique. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Scoop. Ah oui, elle loot. D'accord. Ah, tu as du loot maintenant? Alors, on a encore un peu de temps avant de créer des extraterrestres et tout ça. Buter des humains modifiés. Ah, ils appellent ça les brainwash. Ah, je suis en Overwatch. Je vais vous défoncer. Ah, t'en tues qu'un en Overwatch. Salut Pulpard. Salut Pulpard. Ok, je vais aller là. Ok. Et je tire. Le jeu est très très clair. Hein. Tu fais... T'obéis aux règles pour l'instant. Hein. Oh, j'ai raté à 49%. J'avais une chance sur deux que ça passe. Forcément, c'était cette chance-là. Ah, viens, ma grande. Ah d'accord, elle peut ouvrir les portes, là, d'accord. All soldiers can hack certain computers, lock doors on some other to gain access to bonuses, d'accord. Et c'est tous les soldats peuvent le faire, quoi. Hack. C'est cool ça, c'est nouveau aussi le hack. Ah là, attends, c'est à moi de le faire. Oh là là. D'accord, bon bah ça a l'air facile hein, de hacker des trucs. Cours mec. Merci QBXI. Ah, notre perso hacker, on va l'appeler Did, c'est vrai. Même s'il n'est pas là. La fougère, je connais déjà son foie, tu dis. C'est pour ça que je rêve d'aléatoire. Le jeu existe en français, sûrement en sous-titres français, le minimum. Là, j'ai pas les sous-titres français. J'aime pas avoir les. Ah, et doublage et tout. Après, le scénario d'XCOM, je sais pas s'il pète des briques celui-là. Enfin, voilà quoi. L'important, c'est la baston quoi. Enfin, je sais pas. Toi, t'avais fait le 1 un peu ou pas, Pilou? Non, jamais. J'ai pas beaucoup de jeux sur PC. Si j'en ai, j'en ai des vieux. Hein, du genre SimCity ou les Sims. Les premiers Sims. Là, je vais où je veux, là, ça y est. Le jeu me dit vas-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Ah, il faut que je carry le body là. Ah, d'accord, c'est ça. Carry unit. Salut Toto Coffee.
Salut Toto Kofi. D'accord, donc tu peux porter des cadavres, quoi. Ça faisait longtemps, effectivement, c'est pour ça... j'ai une 770 et le jeu est pas à fond, je suis en high et pas en maximum. Je trouve qu'il est méga gourmand. Hein. Ma carte graphique est à 90% là. Eh oh! Il y a des mecs qui tirent sur mes bonhommes et ils les tuent. C'est abusé. Il n'est pas tout neuf, mon i7. Hein. C'est Jean-Luc Reichmann, la voix off. Vous parlez de moi? Je suis Jean-Luc Reichmann? Eh, c'est la classe. Alors, n'oubliez pas, hein, je pense qu'en fin de stream, hein, pour vous teaser un peu, je vais quand même vous montrer quelques vidéos des extraits du spectacle de Michel Drucker. Ah! Ouais. On attend ça avec impatience. Je vais peut-être me déplacer, d'ailleurs, parce que je vois que vous ne voyez pas l'arme que j'ai, en fait, sur le stream. Vous êtes pile poil devant. Ouais. Attendez. Ah! Ça allait vite. Il faut pas que je fasse ça trop souvent, ça fait peur. Attendez. Je vais faire comme ça. Ah, ah ça. Ah! 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 C'est bien con, ça. Désolé. Bon, on en était où? Alors, les grenades ne sont pas aussi dangereuses que les armes à feu, d'accord. Donc, je grenade à doux, je grenade là. Srogrenade, bah oui. Je srogrenade dans le mur, ok. Irem, t'as trouvé des extraits où t'y es allé? Ah, bah j'aurais bien voulu y aller, c'était 43 euros. vu ma situation financière. Alors, attendez, c'était 43 euros, mais pour la même soirée, j'aurais pu rencontrer. Il y avait qui d'autre là-bas? Il y avait Ruquier, qui était là-bas. Alors, je vais pas tout vous spoil parce que franchement, ça avait l'air vraiment bien. Et ouais, il y a Ruquier qui était là, qui a dit ouais, c'est super, franchement, ce qu'il a réussi à faire, la mise en scène, c'est grandiose, c'est un génie, enfin vraiment, très 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 grand Ruquier. Hein. Mais tu sens qu'il aimerait bien prendre sa place, quoi, tu sais. Genre, je vais dire du bien de Michel, parce qu'on peut pas en dire du mal, il a jamais dit du mal de personne, donc. Apparemment, dans son spectacle, il dit du mal. Non, je pense pas. Hein. Ouais, c'était 43 euros à passer, hein, côté de Rennes, c'était la première en plus. Et ouais, non, ça envoie du lourd, quoi. Franchement, ça a l'air vraiment très, 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 très plein de bonheur, quoi. Attendez, il imite Johnny. Wow! Heureusement que t'as esquivé, toi. Putain, ils ont des armes, ça fait des trucs gluants au sol. Oh là là, il y a deux gars. Il va te tirer dessus aussi. Cache-toi! Cache-toi, Nicole! Oh, il a un PV. Le PV. Non, j'ai pas osé y aller, mais j'ai vu les vidéos qui ont été faites ce soir-là, on les regardera à la fin. Select Call Sky Rangers, ok. Press P to evac. Mais oui, j'ai déjà vu Michel Drucker dire du mal de quelqu'un. Ah bon? De Yann Arthus Bertrand. Ah ouais? Voilà, l'animateur dit, il ne parle que de lui, avec lui le magasin est ouvert jour et nuit, ils ne vendent que du Arthus Bertrand. C'est sympa. Tu trouves que c'est sympa de dire ça de quelqu'un? Bah, surtout après ce qu'il a dit de Aladdin que j'ai vu. Eh ouais. Avec moi, je ne l'ai pas vu, celui-là. Avec Lulu, on a regardé Aladdin, quoi. On avait commencé à regarder Doom, le film de Bollywood. Et en fait, ça parle que de moto, c'était un peu chiant. Et on s'est dit, vas-y, on va regarder Aladdin, quoi. Et la bande-annonce est vraiment meilleure que le film. Ah, aussi déjà, fou. La bande-annonce, c'est... Ouais, je te jure qu'elle est vraiment mieux. Ah,
Il y a Pulpard qui te dit peut-être que tu vas devenir le Michel Drucker de l'Internet. Ah, c'est vrai que j'ai toujours dit du bien de tout le monde. Hein. Alors, on accueille les créateurs hein, de Davilex, hein, ils font des jeux formidables. Après, on peut se faire une équipe spéciale genre de la télévision aussi. On peut faire Patrice Laffont, Michel Drucker. On l'a déjà fait. Hein. Là, il y a des gens du chat, mais je pense que si on est à court, je pense que Michel, il aurait envie d'être dans XCOM. Je vais lui parler. Voilà. C'est pas mal foutu les cinématiques. Hein. Le jeu est plutôt joli en général. Ah, il y a 20 ans, c'est le 1. Sans doute. Ah, voilà. Julien Lepers. Tu crois que si on l'invite dans un stream, il va venir? Bah, apparemment, il va faire des trucs de convention, là. Il va faire des jeux, ouais, il va faire des conventions où il va présenter des jeux. Ça a l'air sympa. Ah, on dit que tu as le bonjour de Ciré. De Cédric? J'imagine. Bah écoute, merci. Est-ce qu'il est dans le chat? Je ne sais pas, c'est KM66 qui doit être avec lui présentement. Très bien, bah écoute, tu lui passes le bonjour. Putain, ils attaquent la tour Eiffel! Comment ça se fait trop pas, quoi? Vous voyez ça? Ça, c'est le futur à cause des ondes gravitationnelles. Hein. Ça commence comme ça, et puis. Hein, Julien Lepers, il est sûrement cool, j'en sais rien. Mais le problème de Julien Lepers, c'est qu'il n'a pas encore fait de one-man show. Il a fait des chansons. Quoi? On est de retour? C'est ça le scénario? We're back? Putain, on était transformés et on est de retour. Putain, c'est un scénario à la Black Ops, quoi. Julien Lepers plus Ken Bogart, c'est vrai que ça serait un bon duo. Gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but a lot's changed. Did the best I could, but the last 20 years have been tough without you. Ouais. Salut de Ménestrel. I feel like catching up. Shen has the archive up and running on your terminal. Très bien. Otherwise, I'd go see Dr. Tigan when you're ready. There's some things you should know. Be better at explaining them than me. It's damn good to have you back, Commander. Eh, moi aussi, je suis content d'être de retour. Une adresse mail à laquelle on peut t'envoyer des persos de effigies pour qu'ils meurent et dans ta partie. Comment on fait ça? On peut faire ça? Apparemment. Oh oh. Alors. Commander, to the research labs. Alors, il faut que j'aille à Research Labs. Bonjour, je viens faire des recherches. Impressive, isn't it? Capable of generating immense power. Yet completely harmless to human life. If only the same. N'oubliez pas Patrice Laffont. The rest of the aliens' technology, Commander. Dr. Richard Tigan, Chief Science Officer. I am responsible for the entirety of our research here. As well as the procedure you so recently underwent. Welcome to my lab, such as it is. I'm not sure what Central may have told you, but we found something while removing you from the alien stasis suit. A device implanted directly in your occipital lobe.
Waouh, on peut faire ça. Mais effectivement, j'ai un jeu pas vraiment acheté, donc je sais pas s'il va accepter ça. Ma nouvelle politique, c'est que je joue au jeu, si je les finisse, les j'achète. Je pense que celui-là, je vais le finir, donc je l'achèterai. Mais... si jamais il y a trop de plantage aussi. Ça a l'air sympa pour Kratos. Bah t'envoies ça à realmeup@gmail.com, j'essayerai. Hein. Donc maintenant on peut faire de l'Alien Botech, ok, très bien. Wow, elle est grande ta base. Armory. Ah, customize, on peut pas que promote soldier. Il faut d'abord promote. Alors, on a quoi comme promotion? Oula, elle a un sabre maintenant. Putain, ça déconne pas. Oh, il a été typiaque Day One, non? Alors, ok, la slash attack an enemy within movement range with your sword. Ok. We're off to a good start. Our troops will only get stronger. Sinon, j'achèterai, je mettrai en français, et puis voilà quoi. Skidropo, ouais, ouais. Commander, to the bridge. Ouais, bon, bah, je vais au bridge, alors on a vraiment pas le choix pour l'instant. Très bien, Pancratos. Fais péter. Si je peux transférer ma sauvegarde, surtout d'un jeu craqué à un jeu pas craqué. Et puis si vous voulez vraiment la version française. They track the device to a nearby advent convoy and are attempting to take it down. If we can bring this converter back in one piece, donc on va aller devoir aller chercher des pièces. D'accord, ça me rappelle quelque chose. Super Mario. Ouais. Bah surtout graphiquement. Salut Destraya. Excuse-moi, tu disais? Non, surtout c'est que graphiquement ça ressemble pas mal à... Alors, je vois du edit. Du edit quoi? Edit Cresson? Non. Make utility items, make armor available. Comment je peux pas changer. Je peux pas faire remove, je peux pas faire edit. Bon, ok, bah. Bonsoir, trou des coups. Je prends l'accent québécois pour toi. Merci, Pilou, heureusement que tu es là. Edit Piaf, effectivement. Les sauvegardes d'une autre langue sont pas compatibles. Pas de bol. Communications with resistance forces in the area have gone dark, which can only mean one thing. Patch FR au pire, mais si vous voulez vraiment le FR quoi. Parce que je vais pas le finir ce soir le jeu, on en a pour quelques temps. Par contre, je vous garantis pas qu'on le fasse très vite, voilà, plein de jours d'affilée de stream. J'aimerais bien, mais je pars mercredi, je reviens jeudi, demain un peu, sûrement demain après-midi au pire. Dites Cresson commis au thème extraterrestre. Press any key to launch. Oui. Putain, le jeu est gourmand, il tourne pas à 60 fps quoi, quand il y a des cinématiques comme ça. Vache. Donc il faut que j'aille récupérer ça, c'est ça? Oh là. Il est nerveux, votre machin, là. Je suis pas sûr que vous devriez rester à côté. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, je suis en conceal. Ok, ils ne m'ont pas vu. Très bien.
Alors, il y a Cellulite qui te donne un conseil. Je pense que Realmiop devrait ajouter la ligne No Red Screens dans le raccourci qui lance son jeu et le relancer. Sinon, il risque d'avoir beaucoup d'écrans rouges, ça peut être assez gênant. Smiley qui tire la langue. Ouais. Bah attends, je fais ça comment alors ? Ajouter la ligne, entre guillemets, donc il faut ajouter la ligne telle qu'elle est, No Red Screen avec un tiret devant. Mais dans quoi ? Dans le raccourci qui lance son jeu. Faut que j'édite le raccourci ? Mais c'est... Est-ce que c'est une connerie, Cellulite ? Que je redémarre pas le jeu pour rien, quoi. Bah oui. Parce que moi, je dis, les gens disent... je dis ça au cas où c'est utile, mais ça se trouve, ils veulent nous avoir. Ils veulent pourrir le stream. Ou alors, ils sont gentils, je sais pas. On sait pas encore. Et merci pour le follow, Vincent Warsdalda. Je sais que les Ringrins sont là pour l'anti-Tipiak. Je sais pas. Non, ça a l'air... en fait, c'est que le jeu a l'air d'être une version pas terminée. Cellulite me confirme que c'est pas une connerie. Alors, hop. Donc, je fais. Je quitte le jeu. Je viens de sauvegarder. Hein. Faut mettre à la fin de la cible dans les propriétés du raccourci. No red screen. Arrêtez de bouger, je peux pas sélectionner. Mais Cellulite, au lieu de me chuchoter tes conseils, il ferait mieux de les mettre directement sur le stream. Ouais, tu les chuchotes. Bah oui. Alors attendez, dans le raccourci d'XCOM, je fais propriété, c'est ça? C'est quoi? C'est en comment? En quoi que je dois le mettre? Gros, dans la cible du raccourci, il faut mettre... putain, mais c'est impossible à lire aussi les liens. Je te mets ça sur le chat. Vas-y. Attends. Ouais, mais ça, c'est... Oui, mais XCOM 2, il peut être n'importe où. Moi, il n'est pas là. C'est pas grave qu'il soit pas là. Il faut que j'aille dans mon XCOM. OK. Bonjour, la PS Vita a 4 ans. Eh bien, heureusement que tu es là pour me rappeler. Ça nous fait vraiment plaisir. Le Fofon La Tulipe, il est là depuis le début du stream. Je sais pas pourquoi il dit bonjour. Mais parce que la PS Vita a 4 ans maintenant. Elle est pas 4 depuis ans. Depuis 6 minutes, ouais. Mais oui. On dirait une IA, le mec qui parle. T'imagines où t'en es? C'est une IA que j'ai conçue moi-même. Je suis un peu Iron Man. Alors, on a dit où est-ce qu'il est, XCOM 2. Ok. Binaries. 64 bits ou 32 bits. XCOM 2. Je fais quoi dans les propriétés de ce truc-là? Oh, Cellulite, elle est timide. Cellulite, elle est timide. Oui, c'est pour ça, elle me chuchote depuis tout à l'heure, mais elle veut pas apparaître sur le chat, elle est timide. Ah, d'accord. Elle veut rester discret. C'est dans les détails, dans le général. C'est pas très clair comment on fait, les gars, votre truc, là. Ah, Jarvis, ouais. C'est Tony Stark sans argent, c'est ça. Ça ressemble à ça. Mais on t'aime beaucoup, Fanfan la Tulipe, voyons. Pourquoi tu te sens rejeté? Ah bah oui, nous on aime tout le monde, hein, en soi. Donc je ne sais pas... Attendez, il a dit Properties Launcher? Non. J'ai pas compris. En fait, il faut... Ah, No Red Screen, je le colle à la... dans le dossier, simplement? Je crois que c'est ça, ouais. Je crée un quad, je vois... J'écris dans le dossier, mais il y a un point quoi? Et voilà, explode. Explode. Attendez, je vais vous mettre de la musique en attendant. Ouais. Cellulite, c'est Michel Drucker. Ah bah oui, c'est pour ça. Sur ton raccourci? Dans le nom du raccourci? Genre dans le nom du raccourci, ouais. Donc je fais -noredscreen.exe, quoi.
Voilà, avec des majuscules à red et screens. Ouais, mais ça, je l'ai copié. En gros, faut éditer le raccourci dans l'exécutable. D'accord. Comme ça, quoi. Comme un sac. C'est vraiment foufou si ça marche. Hein. Dans les propriétés. Sans les guillemets, évidemment. Oui, Attendez, je recoupe la musique. Parce que si on va voir si ça a marché, on le saura vite. Ça fait plaisir de voir autant de Tipiak sur le stream. Ah, oh, c'est bon. Oh. Je vous ai dit, ma nouvelle politique, c'est de les acheter quand je les ai finis, quoi. Ben, on va voir, hein. Apparemment, c'est le raccourci, hein. C'est pas autre chose. Mais attendez, le raccourci ou l'exé? Les gens disent c'est la cible du raccourci qu'il faut éditer. On m'a dit de ne pas aller dans le raccourci tout à l'heure. Mais qui a de la cellulite? Les gens se contredisent, c'est énervant. Allons, faut que je refasse alt shift. Ouais. Ok. Cellulite à 4 ans. La cellulite à 4 ans, mais de quoi vous parlez, putain? Je ne comprends plus rien à ce stream, ça y est. Après le point exé? Alors, ça y est, les gens ont compris qu'ils pouvaient me whisper, du coup, ils me mettent des tas de trucs. Attendez, je vais voir ça, on rigole bien. Alors, attendez. Attendez, il faut que je requitte le jeu. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Wow, j'ai fermé comme un sac le. Readme.exe a scratched. Ouais. Ouais, j'ai vachement crashed. Alors attendez, propriété. Il y a target. Attendez. D'accord, et je mets no red scream à la fin du target, quoi. Avant les guillemets, je suppose. Et oui, le Namek arrête pas de me whisper des tas de trucs. The name specified in the target box is not valid. Make sure the path and the name are correct. Et il veut plus de mon target. Et c'est quoi les red screens en fait? C'est. Je sais pas, il doit y avoir des écrans rouges dans le jeu qui foutent la merde. Après les guillemets? Alors après les guillemets, avant les guillemets, après ta mère, avant ta mère. C'est devenu un tuto ce stream. Non, les tutos sympas, voilà, no red screen, apply. Il veut pas, hein? Attendez, on va faire un truc, et ça va vraiment devenir dégueulasse, hein. Vous voyez mon écran? Voilà, hein, j'ai bien mis no red screen après le point exé. Alors là, il faut mettre no black screen maintenant. Quoi? Non. Mais quoi, tu On est combien sur ce stream à apprendre à hacker les jeux là, que je me fasse flinguer par Twitch? Ça commence bien les petits amis, tout va bien se passer. Ouais, c'est un peu le bordel. Il y a un espace avant le. Non, je crois pas. Non. Il semble qu'il faut laisser passer à 38 également. Hein? Un espace après le guillemet. Ok, je tente. Ok. Alors, c'est passé. C'est bon? On va voir. Ça va être la surprise.
Wow. Il faut un espace et un tiret avant le no. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai mis en compatibilité. Hey, le Namek, tu vas arrêter de m'emmerder avec la réforme du français. Tu vas aller voir la vidéo de Linguistica. Il résume complètement, parfaitement ma pensée de ça. C'est très bien sa chaîne d'ailleurs. Oui. Et arrêtez de nous emmerder avec la réforme. Putain, juste parce que BFM TV l'a dit, quoi. De toute façon, on a eu un red screen. Donc là, je suppose que j'ai encore perdu. Voilà. Alt Shift. Alors, c'est par où le jeu? Putain, on va pouvoir jouer enfin là? Ah, je peux aller là-dedans. Tiens, viens là. Ah, mais c'est Fanfan la tulipe qu'il follow. Mais merci Fanfan. Merci, Fanfan. Il followait pas avant? Ah, faut croire que non. Mais il faisait quoi? Tu fais quoi quand tu follow Paris le mieux, je veux dire. Roger Zat. Alors, je vais lancer un défi. Ouais. À chaque sub, je ferai une imitation d'accent. Ah, ça, j'aime. On va gagner du pognon, Ça là. m'étonne pas que t'aimes bien. Ah, on va gagner du pognon, quoi. Et pour chaque follow, je ferai une célébrité. Voilà. Ah. Follow, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Je pense même que dans les, je sais pas, dans un don, vu que tu peux mettre un message, ils peuvent te demander un accent. Ah, ce serait beau. Ce serait vraiment utile. Alors, on a déjà deux follow. Alors, pour Snippies, je vais imiter une personne célèbre. Il faut un Il concours? s'agit. Non, vas-y. Hein? Voilà, Vas-y. il faut deviner. Écoutez, Jean-Marie Le Pen, je dois vous avouer quelque chose. Vous n'êtes vraiment pas très bien habillé. Ah, c'est Jospin. Voilà. Ah, superbe. Attention, maintenant je vais faire un acteur français. Il y a Geek in Progress qui a subscribe. Merci. Merci. Donc tu as gagné la petite danse, hein, vu que c'était ta première fois. Voilà. Fils de riche. Hein, pour notre ami Geek in Progress, c'est le sub-hype. Regardez, je vais me faire tomber la robe de chambre pour vous. Voilà. Parce Alors. que, ah bon, j'ai un peu chaud aussi, mais à chaque subscribe, j'enlève un bout de vêtement. Moi, j'ai pas de limite. Hein. Un acteur français, bah, j'ose pas aussi, Du coup, il faut que j'imite pour Geek in Progress Ah, un accent de un pays. accent. Donc là, c'est les accents de pays que tu fais, hein. Voilà. Ou de région de France. Oui, ou même par exemple, Would you like a cup of tea, mister? I've got some cup of tea for you, thank you, thank you. Ça, c'était tunisien, non? Tunisien, mais qui parle allemand. Ah oui, c'est ça, C'est c'est un les Tunisiens Tunisien qui avec imitent l'accent les allemand. Allemands. Ouais. Alors après, il y a tellement de follow, voilà. C'est la porte ouverte à toutes les imitations. Tiens, je vais imiter Antoine Daniel. Eh ben, rendez-moi mon vélo! Ah, tu le fais trop bien! Ah, Antoine valide, quoi. Donc voilà, alors, Antoine Daniel, c'était pour Ildon TV. Quoi, ils m'ont vu? Ah non, ils m'ont pas vu. Ah, c'est juste le moment où ils bougent. Ils vont rien comprendre, on va leur tomber dessus et puis. Alors, Croque-Knox à follow, je vais donc lui faire Jean Gabin. Fais gaffe parce que là, je sens que les gens vont unfollow, follow juste pour t'emmerder. Parce que Croque-Knox qui followait pas, j'y crois pas. Écoute, ça fait de l'animation. Vas-y. Moi, le temps, je tue des ennemis. Alors, Anaoué Dation, qui a follow, et ben, je vais lui faire Laurent Gérard, c'est ce que Paul Pard m'a demandé. Donc, je vais faire Laurent Gérard, qui imite. Thierry Leluron. Laurent Gérard imite Thierry Le Luron. Salut, c'est moi, c'est Thierry Le Luron. Alors ça, c'est réussi, hein. Ah, c'est Le magique, hein. flipper.
Bon, on s'en fout, on va tirer dans le tas, là. C'est toujours marrant quand tu tires sur deux mecs d'un coup et qu'il y en a un qui bouge pas alors qu'il est carrément dans le champ. Quoi. Ah, il a gagné une promotion. Oula! Oula! On se croirait à la fête du village animé par le maire. Y'a de ça. Ça fait un peu écho à ce que j'ai fait ce week-end. Ah bon, tu as fait quoi ce week-end ? J'ai animé la tombola des seniors de Noisy-le-Roi. C'était... Ça, c'est de l'activité de week-end, quoi. Ah ouais, ça va, c'était beau. 41%. Oh, ça se tente. Enfant, la tulipe, j'ai pas fait pour toi, c'est vrai. J'ai décidé ça après ton follow. Alors, j'en fais un pour toi. Tu me demandes Sébastien de chez Carglass. Oh là là, c'est précis, hein. Alors, Ranger, Scan Trigger, Melee Attack. Alors, donc je vais faire Sébastien de chez Carglass. Charal. Voilà. Vas-y, je vais faire un slash là, je sais pas comment ça marche. Ah ouais, il va lui courir dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Okay, you should be able to hack into that thing's safety protocols and stabilize it. Shen is uploading the fix right now. Ah putain, je vais pas faire assez de dégâts avec mon slash là. Attends, bouge là toi. Voilà, va là et tire-lui dessus. En marche arrière. Fire. Je peux imiter CDV qui rage. Mais ils ont pris de la drogue, c'est pas possible, les développeurs. Ouais. Ah, 82 points. Non, tu vas mourir. 82%, tu vas mourir. Voilà. En critique, c'était peut-être pas la peine. C'était du bénévolat, du travail d'intérêt général, l'animation chez les vieux. C'est une bonne question. Moi, je pense que c'était tout... rémunéré. Bah, Ou c'est non. Parce que c'était ça ou la prison ? Non. Non, c'est parce que comme la mairie de Noisy-le-Roi nous subventionne un peu... Notre web radio, ils nous ont demandé de les aider pour faire ce truc-là, donc j'y suis allé. Ah, merci. Le Namek a donné 2 euros pour que tu fasses Julien Lepers qui prend l'accent chinois. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Bonne réponse, hein. Bonne réponse. C'est beau. On part maintenant, on gâtera la suite. Alors attendez, j'en suis où moi? Il y a des mecs qui m'ont tiré dessus, ils ont pété le camion, mais ils m'ont raté, ils m'ont touché. Non, j'ai pas perdu de PV en fait. Je vais être bourré, je vais être slashé moi. Alors il y a Anne Wedaishen qui remet un petit peu dans le contexte le jeu. Si tu mets les soldats en Overwatch, ils pourront tirer quand ils voient un ennemi bouger. C'est pratique pour faire des embuscades. Effectivement, mais ça va, je sais jouer quoi. Mais là j'ai envie d'apprendre le slash quoi. C'est rigolo, tu cours sur le gars, tu mets un coup de sabre. C'est nouveau, c'est rigolo. Puis là je l'ai défoncé, il me reste un gars à tuer là. On va se poser là, hein, comme un ouf. Ah merde, non c'est trop loin là. Ah merde. Et bonsoir Zigouigoui CV. Est-ce que je vais pouvoir lui tirer dessus par là? Ouais, on va tenter. Allez, on va lui tirer dessus de là. Fire Weapon, ouais, j'ai une chance sur deux de toucher, mais... Une chance sur deux, c'est suffisant normalement. Ah, Mist. Je peux tenter un Overwatch, effectivement, par là. Y'a Kouef qui troll. Si tu tires sur les ennemis, tu as un certain pourcentage de les toucher. Attention! Cependant, si tu ne touches pas les ennemis, tu ne les toucheras pas. Allez, je me fais un Overwatch sur lui. Parce que comme ça, s'il approche pour me taper, je me sens que... Wouah, pourquoi tout explose là-bas? Oh, il lui a mis 3 dans la face. Il reste 3 PV, la dame. Ils sont tout fait exploser. Si on ne stabilise pas le converteur, je ne pense pas que quelqu'un va aller à la maison aujourd'hui.
Oui, bah on y va. Je vais le bourrer, je vais le slasher, moi. Vas-y, slash là. Voilà. Il reste un PV. Toi aussi, tu vas lui courir sur la gueule. Voilà, et tu vas lui mettre un coup de shotgun dans le dos. Quoi de meilleur que le coup de shotgun dans le dos? 85%. C'est pas 100%. Voilà, ça c'est bon. Ah, il a gagné une promotion. Toi, tu vas courir jusque-là. Oula, il y a des nouveaux ennemis. Oula, il y a des nouveaux aliens. Pourquoi ils sont tout nus? Les sectoïdes. Ah, ils sont plus forts. C'est des sectoïdes boostés. Je sens que je vais aller faire un Overwatch dans le coin. Histoire de gérer la situation. On va se mettre là. Et Overwatch. Parce que là, je pense que tirer, c'est un moment de merde. Ouais, il bouge, lui. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il m'attaque. Oh, il m'a fait un mind control. Ah, sur mon Overwatch, c'est dégueulasse. Oh, 3 de damage. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, il y a KM66 qui dit 95%, il y a une forte chance de miss quand même dans XCOM. Oh, il me l'a tué. Ça veut dire qu'il faudrait faire un pourcentage sur les pourcentages. C'est ça. Non, elle est paniquée, elle. Oh là là. Non, elle a tiré sur. Oh là là. Brutive. Elle est toujours paniquée. J'en ai un qui est contrôlé. Il me reste un gars. Voilà. En fait, les aliens sont la descendance de Joe et gastronomie. Alors déjà, gastronomie ne s'appelle plus gastronomie. Ah, il avait fait un Overwatch. Ah oui, c'est mon Overwatch de tout à l'heure qui joue là. Eh tiens, défonce-le quoi. Ah, il a plein de PV. Alors, c'est déjà ça. Il a 3 PV. Il faudra tout prix que je le tue avec Claude ce tour-ci. Qu'est-ce que tu fais? Wow, il m'a fait un critique, il m'a tué. Il m'a one shot à 6 points de vie, quoi. Ah non, mais là, ça n'a pas de sens, les amis. Je suis complètement contre. Il me reste un perso à 3 PV, là. Qu'est-ce qu'il fait en Alien Activity, là? Je comprends pas. Ah! Il a réanimé quelqu'un? Oh Mais un ennemi? non! Ils lèvent, ouais, ils font du mind control sur les morts. Oh là là, c'est ingérable. Oh, il a pris un crit à 5, lui, c'est ça, 3. Ah, faut que je le tue, que. Il est toujours mind control, ouais, super. Ouais, bah, de toute façon, on va crever. De toute façon, faut que je arrive à le tuer. Voilà, je vais perdre, récupérer mon bonhomme qui a été mind control.
Ah, et lui, il est remords. Ah, c'est cool, il n'y a plus qu'un bonhomme. Oh là là, c'est chaud. Ah oui, j'ai récupéré direct, donc je vais pouvoir le shooter direct là. Oh, il y avait un Overwatch. Oh, il a raté. Oh là là, j'ai de la chance. Pourquoi je peux pas tirer? Oh merde, j'étais trop loin. Wow, il est fort, il est vite ce gars-là. De toute façon, c'est toujours le tuto là, non? Enfin, tout, plus ou moins. Je peux mourir ici ou c'est plus ou moins écrit que c'est. Oh là là, il m'a fait un critique. J'ai deux bonhommes à tuer avec un seul bonhomme à 3 PV. Donc, il y a le pouvoir du slash, mais quand même quoi. Ah, ça a explosé! Ah, ça les a tués! Oups. Oui. C'était plus le tuto, nous dit Twin. Ah, j'ai fait un bah, restart mission, hein. Critically failed, voilà. T'es censé t'en sortir. Ah bah écoute, il s'est passé des choses moyennement cool, hein. C'est plus ou moins écrit que tu ne sais pas jouer. Eh oh. J'ai pas raté ma mission, c'est la mission qui m'a raté. C'est beau. Il y avait un timer. Toi, le timer. Ouais, c'est bon, indigeste. Hein. Le jeu est brutal. Ah ouais, il est brutal. Ouais. C'est toi, le situation. Hein. Abusé. Hein. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Bah, c'est Hydrobobombe. On a eu un petit jeu dans le chat parce que le Namek a fait une faute de frappe. Il a marqué je crois comme si c'était une Une croix. croix, oui. Après, j'ai mis donc je crois avec un X. Twin a mis je rond avec un O. Oui, Et le d'accord. Namek a mis un jeu delta. Et Oui. pauvre Hydrobobombe, je cherchais à le faire. Pour J'ai mis faire un trop de temps à triangle. trouver comment faire un delta. Des sauvegardes dans XCOM. Ah non, on va pas faire les sauvegardes. Salut, Ultrafer. Ouais, pour changer la chance. C'est ça qui est bon dans XCOM. Un oiseau fait une safe state. Ça vous a marqué, ça. Tu es pita tête de tigre. J'essaie de me mettre en Overwatch ici. Tu sais que tu dois te mettre à couvert avec les débris et autres obstacles? Bah oui. C'est Flayer qui te demande ça. Tu sais que tu peux te taire? Je ne fais que relayer le chat parce que tu ne peux pas avoir les yeux partout. Et non, surtout là, que j'essaye d'être concentré pour ne pas mourir. Oui, Dragan. Que ça, c'est très chiant. Et puis Lou, il aura plus d'accent. Après 1000 heures de jeu. Tac, 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 tac. Attention au feu, tu risques de te brûler très fort. Effectivement, le feu, ça brûle. Wow. Ça, c'est de l'alien activity qui fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pas mal, Hydro. Alors, je suis toujours en concealed.
Salut Macabre 0236. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit lire les chiffres, mais bon, comme ça que ça m'est venu. Ah, tu chantes au secondo? Ah, on a trouvé le machin. Okay. You should be able to hack into that thing's safety protocols and stabilize it. J'ai joué au reboot, ouais. Right now. Enemy squad located. Commander, we have a chance to do some serious damage here. Before jumping into combat, let's make sure we make the most of our advantage. Faut que je fasse une dead ambush là. On va se cacher. On va en mettre plein des cachets. Je sais pas où je pourrais me cacher qu'il soit bien encore. Là non, là ouais. Là, c'est pas très très top top. Oh, on va se mettre là. Mais voilà Scrain! Mais voilà Scrain, on a failli être inquiet. Eh, hey, Overwatch Concealed. Bonne nuit, Fanfan. Donc c'est encore à moi de jouer. Est-ce qu'il faut que je les attende pour qu'ils soient plus prêts? On va tenter ça. Je crois que Geek in Progress vient de tuer le game là. Ah bon? Ouais. Il a compris. Il a bouclé la boucle en fait. Je crois que vu que personne n'a encore mis premier degré, pas compris. Je vais faire un full Overwatch là. On va voir ce que ça fait. Bonne nuit Mariri 24. Bonne bientôt. Nuit Mariri 24. Ah, il se sépare, c'est pas mal. Ah, il nous fait une fleur. C'est trop mignon! Bon, ils veulent pas tirer, hein. Mais est-ce que je pourrais aller là, directement, sans tuer ces gars-là, là? Ah, ils me voient pas, là. C'est bon, ça, c'est bon. Je vais bourrer, là. C'est vrai qu'on est là pour le plaisir du bonheur. Toujours. Ah, eh bien, écoute, tu passes le bonjour à Oxido. D'accord, Pancratos, merci. Bah, dès que je pourrai, j'irai voir ça. Au pire, on fera ça demain, je ne sais pas. Ah, Opa KNC, qui follow. Ah, donc c'est l'heure du travail. Alors, il faut imiter une célébrité. Alors, je sais pas si je dis avant qui je fais ou est-ce qu'il faut deviner. Moi, j'aime bien deviner, donc fais-le et moi, je devine. D'accord. Alors, après, il faut que je trouve quelqu'un. Ah oui. It's me, Mario! T'as ton Crash Bandicoot est parfait quoi. Voilà. Bon allez, ça Overwatch. Je sais pas si c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, on te dit les grenades c'est la vie, il faut les utiliser sans complexe pour lancer une escarmouche. D'accord.
Didier Gustin, c'était grave Didier Gustin. C'est pas faux. Donc il faudrait que j'aille là. Mais attends, il est tout seul lui là. Alors c'est vrai que sur mon imitation, il y avait plusieurs réponses qui étaient possibles. Ah merde, ils m'ont vu. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai peut-être fait une connerie. Wow. Ah ouais, j'ai débloqué tout le monde d'un coup, quoi. Ouh là là. Je suis obligé de tuer tout le monde ou j'ai juste à aller là et c'est réglé la mission? Green Mario. Green Mario et Red Luigi. T'as 36, 46, 61, ouais, c'est un peu obligatoire que je te tire dessus, quoi. Voilà, je l'ai tué, lui. Reload save, on n'a pas le droit. Ah, il y a du loot, là. Ça a rien fait, ma frag grenade. Ah, Ion, pour un truc de hyper efficace. On va tenter ça. Je tente des trucs, hein. Rangers are uniquely equipped for close quarters combat. In the right situation, it can prove highly effective. Tiens, un bon coup de fusil. Bon, ça va être chaud. Hein. Je vous le dis tout de suite, les petits copains. Merci à Gizmo. J'aime beaucoup le principe, quand même, tu te fais tirer dessus sans répondre dans le jeu, quoi. Pas pareil pour les ennemis, hein, mais... Raté. Alors, excusez-moi, je reviens. Vas-y. Ah putain, mais j'en ai marre qu'il fasse ça, là, le mind control, c'est trop relou. Putain, il a essayé de tirer si loin que ça, lui. Motivé. Il y a deux imitations en suspens, effectivement. Oh, il s'est pris 6 de dégâts, l'autre, là.
qui a 44% sur lui. Je vais me déplacer. Je vais me mettre là. Oh là là. C'est, il n'est pas allé là où je voulais, c'est pas grave. On va... Alors je peux faire hack, mais non, il faut que je le tue quoi. Non, lui. Putain, mais 42%, mais il est invisible ou quoi le sectoïde là? Bah voilà, raté quoi. Putain, et c'est quoi ce taux d'esquive de fou qu'a le sectoïde quoi? Alors que revoilà Piyou Crapou. Très bien. Donc j'ai vu du follow. Il y en a eu. Je crois que t'es à 2... de Kram et Gizmo BT. Du coup, je m'en vais faire des imitations de célébrités. Alors, je vais vous imiter Alain Chabat. Très bien. Stéphanie de Monaco. Ah, il a plus de grenade, lui. Fred Dugo. Et pour Gizmo, je vais faire une autre imitation. Oh, à toi de venir, Myop, et à vous aussi sur le chat, évidemment. Ouais, salut, c'est moi, c'est Guillaume Canet. Oui. Alors, qui c'était, à votre avis? Ah, c'était Guillaume Canet. Ah, ce serait trop facile. Ah, merde. On va voir sur le chat, qu'est-ce que le chat en pense. Mais tue-le, là. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est Laurent Gérard. Voilà, encore et toujours. Tout va mal, les amis. Hein. Ah, un nouveau follow. Oh là là. C'est long les aliens acquisitifs, quand ils ressuscitent des trucs là, je sais pas si on peut dire joue plus vite au jeu. Geek in Progress est méchant avec moi, mais il a raison. Non, il a pas raison. Putain, par contre, Samis, hein. Bah oui, je sais bien, bah, je fais ce que je peux, hein. Je crois quoi hein. Bon, allez, toi, tu vas hacker, j'ai pas le choix. Hack. Parce que sinon, ça va être la fin du bail. Allez, begin act. Voilà. Ça, les zombies. Oh, c'est lui mon problème là. Putain, il est bien caché encore. Allez, il va bien toucher au bout d'un moment. Ah non. Putain, mais il est intouchable, hein. Il a un taux d'esquive vraiment délirant. En parlant d'intouchable, je vais donc imiter Omar Sy. Alors, bonjour mesdames et mesdames. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Voilà. C'était Omar Sy. Quoi, il a évité? Putain, mais il est increvable. Alors on te dit de te mettre au CAC et pris pour un coup critique sur le sectoïde, ça cancellera le mind control et le zombie. Bah oui, j'essaye. C'est ce que j'ai fait. Hein. Okay,
J'aimerais bien réussir à le tuer, hein, on est bien d'accord. Putain, mais il a 80%. Ça a mis, quoi. Oh là là, il a plus qu'un PV, quoi. Putain, mais lui, il fuit, quoi. Il fait chier, là. Oh, il l'a tué, quoi. Eh ben, tant pis. Ouais, ouais, non, mais c'est drame, c'est drame, c'est dramatique. Mais c'est parce que les personnages portent pas encore le nom des viewers. Bah oui, c'est pour ça que... En même temps, lui, il est fort, hein, il esquive. Hein. Ça manque de sniper, nous dit Crane. Ah, et encore un mort. Bah oui, mais j'en ai pas encore des snipers. Hein. Ah, il a perdu le mind control. Alors ta tête ne cache plus ton arme, c'est mais elle est juste sur... Hein ? Non, on me demande mon mail. D'accord. Donc ta tête est juste sur la stat de précision, ce qui nous rajoute du suspense. Très bien. Très bien. Alors attendez. Ah, tentez, hein. Alors il joue en vétéran Kin V29. Non. Si ça doit être Kevin. KVN. Kevin 29. Je t'ai vu, j'ai compris qui tu étais. Il doit venir du Finistère. Ça doit être ça. Est-ce que je peux te tirer dessus là? Putain, 44% quoi. Ça y est, il est mort. Putain. Eh, c'est fini là. Ouais, c'est passé quoi. J'ai perdu, j'ai dû perdre deux soldats quoi. Rating fair. Ah, merci Adam Edward, heureusement qu'il était là, quoi. Returning to base. Mission complète. Merci, merci, Adric. Adéric. J'ai très mal joué, hein. Notons-le tout de même, hein. Par contre, j'ai pas eu de promotion. Ah, si, j'ai deux promotions quand même. On a perdu Kelly et Zinchenko, mais je pense qu'on s'en fout quoi. Et on a ramené un Power Advance. Ok. Le lien de The Last French est très drôle, hein. D'accord. C'est un gif de quelqu'un qui tire à bout portant sur un extraterrestre et puis ça mise quoi. Normal. Ça balance les vrais noms maintenant sur le sur le chat. Il y a plus de pseudo. Cette barrière est. 27 ans, ça fait longtemps qu'elle est pas venue. Ah, il y a Originals qui follow. Alors c'est les Michel, les Patrice avec qui on est fâché, les Julien. Une femme et un Albanais, ça va? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, c'était une femme et un Albanais qui sont morts. Tout va bien alors. C'est pas comme si on avait vraiment perdu des troupes indispensables à la victoire contre les extraterrestres. Rework your repulsors with some of the parts I salvaged from their old engine. Should fix that stabilization problem you had. Ouais, elles font des robots. It'll work. Cool. Ouais. On va avoir des ingénieurs de ouf.
Donc pour original, je vais imiter Eddie Mitchell. Vas-y. Coucou, c'est Eddie Mitchell. Parfait. Franchement, c'était parfait. Everything. Tout ce vaisseau, c'est sa vie. I know he would have loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. Ah bon? You can be sure I'm ready to finish what he started. Très bien. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything you come up with. And with a little more help. C'est Bulma quoi, elle peut tout fabriquer toute seule. Bulma Tony Stark quoi. Non, il a un visage beaucoup trop désagréable pour qu'on le voit, Pilou. C'est profitez ça. De sa voix. Ah, un medikit. Research. C'est bien comment le jeu te donne des... Tout est dirigé, quoi. Ce serait un bon nom pour un personnage de GTA des Magos, ça. Medikit. Très bon. Très très bon, medikit. There's been some progress. I've managed to break down several key components of the chip. Alors je suis pas encore tout à fait sûr de pouvoir venir au Stunfest cette année. C'est dommage. Mais j'aimerais beaucoup. Et un nouveau follow de Nick Tamer PD. Je pense que c'est pas un vrai pseudo. Je ne suis pas convaincu par cette personne. Alors, je vais donc imiter Cool Chain. Tu fais très très bien les danseurs classiques. Ça marche, Geekin Progress. Bears a striking resemblance to a medical implant I briefly assisted in developing at the gene therapy clinic in New Providence. My understanding was that the implants were intended for high-ranking Advent officers only, captains or above. Retrieving a chip from such an officer would be the only way to know for certain. A greater understanding of these implants would undoubtedly benefit us all, Commander. D'accord. New objective added. Examine an Advent officer corpse. Okay. Clearly been modified to allow for their subordinates to receive new orders psionically. The implanted chip. Alors, je ne savais pas, ça a eu trafère qu'il y a des gens qui font reine sur Minecraft à l'occasion du Stunfest. Sacré défi. Ils font tout reine. Vous êtes fous les gars. The magnetic rifle used Advent for psionically complex weapons, the ripple. Ok. Hybrid matériel. Raincraft, c'est la deuxième édition. Ah ouais? Bah, c'est ce que je lis sur le chat, moi je... Ah ouais, ça voudrait dire qu'il l'a déjà fait, et qu'ils le refont, du coup il doit avoir une bonne base pour améliorer encore. Le mec est sur les chapeaux de roue, c'est pas tout Ren, c'est juste Ren. La ville, voilà. Non mais il a raison, c'est... il faut le préciser. Oh là là, il est encore plus fatigué que moi. Hein. Alors, super, j'ai des gens. Ah, et je peux customize. Et c'est parti. Ah bah, je pense qu'il te ressemble suffisamment, Adam Edward. Hein. Je ne sais pas. J'ai pas vu, je ne regarde pas tellement ce que tu fais vu que c'est en décalé. On va mettre en français. Hein. Ok, je bouge. Ok, je bouge. Attends, il y a quoi comme voix? Il y a français 2, il y a plein de voix disponibles et on va essayer au pire, j'ai envie de voir la magouille de Geek in Progress. Alors, comment je change ton nom? Caractère info, biographie, first name, donc Pilou. C'est ça, c'est moi. Ah, Pilou Edward, non, crapou. Commandant Crapou! Au rapport! Ah putain, mon cul! C'est un A, c'est du poulet quoi!
Oh, je peux pas te mettre un nickname. Dommage. Ben non, t'étais pas assez d'expérience, mais on te mettra l'imitateur. Tu veux venir d'où? C'est quoi ton accent préféré? Bah, fais-moi venir de Saône-et-Loire. Non, mais je peux pas, c'est des pays. Ah. Bah, de France, représentons. Allez, mon petit français. Et donc, un mâle, t'as tué deux personnes. Suivant, nous avons Heinrich Schwartz. Il est allemand. Alors, je lance le Stropole. Vas-y. Une dernière fois. Donc, votez une dernière fois pour les noms que vous voulez. Pilou Michel Lepcre. C'est bien ça. Alors, attends, je vais en profiter pour voir ce qu'il m'a envoyé par mail. Perso XCOM 2. Alors, My Games, un portable. J'ai juste à copier les machins que vous avez mis dans un portable. Apparemment, il t'a tout expliqué dans le mail. Alors, il faudrait que je le mette dans Fun. Fun Game. XCOM. Alors après XCOM. Ah merde, je vois pas le. Attends, je vois pas la route. XCOM Game Character Pool Importable. Normalement, il devrait y avoir un fichier nommé developers.bin qui est un pool d'exemples contenant les développeurs du jeu de XCOM 2. Il copie pancratos.bin en pièce jointe. On peut mettre plusieurs personnages dans un pool, mais je pense qu'il vaut mieux que chacun envoie un perso. Ok. Bon, on va essayer, hein. On va essayer. Alors, le Stropole est... Comment on dit? Non, il est unanime. C'est un digeste hein, qui doit faire partie de... Alors, de l'équipe qui a eu 38% des suffrages. À elle toute seule? À elle toute seule, ouais. Eh ben, quelle victoire incroyable de l'indigeste. Alors, geekinprogress.bin. Enregistrer le fichier dans le même endroit. Et normalement, on va voir comment ça marche. Putain, c'est chiant, à chaque fois il faut que je retourne. Pourquoi t'as pas. Putain, Windows, oula. Oulala, j'ai mon Windows qui répond plus. Ça y est. Tout ça pour redémarrer un disque dur qui n'était pas éteint. J'aime beaucoup. Game. Nous avons donc dit. XCOM 2. XCOM Game. Character Pool. Importable. Ok. Très bien. Alors. Attendez, on va cancel. On va tenter le import perso, là. Et après, on fait notre ami... C'est où le import perso? Bah, peut-être qu'il faut... Tu vas dans... Non. Juste, tu passes par la corde. Putain. Attends, je vais relire le mail, ce qu'il écrit. Une fois dans le jeu, tu vas dans caractère pool. Mais c'est où caractère pool? Puis import caractère. C'est où ça? Je peux pas le faire ici, en fait. Je ne pense pas. Je vais faire un petit save. New save. Une character. Voilà, bon, c'est pas grave. On va l'appeler save 5, parce que fait chier. Et exit to main menu, je suppose, en fait. Je peux pas le faire dans le jeu, je pense. Alors,
Geek in Progress qui dit les persos importés arrivent aléatoirement apparemment. Character pool. C'est sur le menu principal. Tu reviens à l'écran de jeu. Geek in Progress. Import entire pool. Ok. Et Pancratos. Ok. Import character. Ouais. Select all, ouais. C'est bon là, ça a marché. Est-ce que c'est bon ou il faut que je mette des croix? C'est ça la question. Alors, là c'est bon, le personnage fera partie de la liste de personnages aléatoires qui pourront être disponibles soit en tant que recrue, soit en tant que soldat expérimenté acheté au cours de la campagne. Naturellement, plus tes viewers t'envoient de perso, plus tu as de chances de les avoir dans la campagne. Espérons que ça marche sur une version type Yaké. Je sais pas ce que c'est, type Yaké. C'est quoi, c'est une langue ça? Mais normalement, t'as pas de soucis. D'accord. C'est bon. C'est bon ou c'est pas bon? Non mais Tech2, ils savent pas ce que ça veut dire Tipiak. Arrêtez de les aider. Donc peut-être qu'ils vont apparaître quoi. C'est ça que tu veux me dire. Et peut-être pas. De toute façon, on va retourner à l'armory. View Soldier. Alors, on en était à créer notre ami indigeste. C'est ça. Alors, first name, Indy. Indy. Geste. C'est avec un S, ça digeste, non? Oui. C'est ça. Gender, on va peut-être la mettre female, hein, ce sera plus adapté. Salut mon Kivi Espira, c'est bizarre. Alors, la nationalité d'indigeste. Réponds-nous, indigeste. Qu'est-ce que tu veux? Elle est là encore? Ouais, ouais, elle est là. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux comme nationalité? Je vais aller voir dans recruter, ouais. Moi, je la verrais bien suédoise. Elle veut les cheveux bleus. Tu vas avoir les cheveux bleus. Pour l'instant, choisis ta identité. Belge. Ah, on pourrait faire que des francophones. Anglaise. Oh. Ah, salut CDV. Salut CDV. Congolais. Attendez. Ça va être quoi? English? Ils vont mettre quoi? United Kingdom. Ok. Ah putain, il y a des bios et tout, ça peut être trop marrant quoi. Comment ils ont fait booster ce système là? Comment je reviens? Ouais. Si on pouvait faire ça dans Worms. Ah ouais. Attends. Maintenant que ça s'est fait, je voudrais revenir à ces trucs de base, à sa tête. Voilà. Alors, face. Ah. Ça, c'est sûrement ce qui te correspond pas trop mal. Ponytail. Non, il faudrait les cheveux un peu foufou. Putain, t'as une quantité de trucs, quoi. La Dirty Bread. Dirty Ponytail. Ponytail Bang.
Bold. La Strange a sûrement raison. Maintenant, on va pouvoir passer une demi-heure sur chaque perso pour les voir mourir à la première mission. Oui, mais c'est le jeu. Bah, il faut en prendre soin pour ne pas avoir envie qu'il meure et donc jouer mieux. Ouais, elle va être bien blanche. Hein. Ah là, elle est pas mal. Hein. On y croit. Hein. Mon voice, par contre, elle va aussi être anglaise. Copy that. Ok. Ah, il y a du race. Race 1. Les races, c'est des numéros. Il y a race 0, race 1, 2, 3, quoi. Allez, tu vas être race 0, quoi. Attitude by the book. Ah, est-ce qu'elle veut des lunettes? Ça lui va pas mal, la race originelle. Ah, les lunettes de hippie. Mais elle a pas de lunettes. Face paint. Tu veux des lunettes de soleil carrément? Je te mets les hippie glasses, hippie sunglasses. Ah ouais, tu pètes comme ça? Ah voilà. Moi je trouve que là, ça commence à te ressembler pas trop mal. Salut Conoker. Salut! Ces lunettes de tueuse avec la tête comme ça là, t'es magnifique indigeste quoi. Alors je vais aller voir. Ah, promo de soldier, attends, on va te promouvoir en plus. Ah, t'es un sniper! Our sharpshooters engage enemy targets with pinpoint accuracy from extreme range. Oh, comment t'as la classe? Sniper, en plus, ils ont une bonne chance de rester, je crois, parce qu'ils sont, ils sont éloignés. Bah voilà, pas se faire tuer tout de suite. Comment je risque d'y passer très vite? Ça lui évitera de mourir, parce que c'est bien beau, hein, mais c'est les premiers persos, c'est pas ceux qui vont survivre. Ah, toi, t'es un démolition, t'es un grenadier. Ah, les lunettes te vont bien, Digest, hein, y a pas de problème. Ah, si on peut te mettre un cigare. Pile ou crapaud, grenadier. Tu peux lancer des grenades, quoi. T'es magnifique, Pilou. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que tout le monde va avoir des lunettes de soleil dans mon équipe, c'est trop la classe. Alors, je voulais juste voir si je peux aller recruit, si on voit... Ah non. Je ne vois pas de gens du chat. Faudrait que les gens me fabriquent des personnages, comme ça, si vous voulez être sûr, bah, j'en ajouterai, c'est pas compliqué de les ajouter. Donc envoyez-les moi et je les ajouterai au fur et à mesure. Il faut avoir le jeu pour pouvoir faire ça? Je suppose, je vois pas comment tu pourrais créer un personnage sans jeu. Donc on va quand même en faire 4, histoire de dire. D'accord. Il y a le Namek alors. Ah, le Namek. J'ai récolté 30% des voix. 30% des voix. Très bien. Il y a des gens qui ont encore voté pour Andilist alors qu'elle est déjà dedans. Bah, mais elle aura deux personnages. Putain. Oh, j'ai une idée. Ça va être le Namek avec deux E. Ce sera son prénom. Les Namek. Ah là là, il va être horrible à écrire. Attends. Alt Chief parce que là. Et il va être bien sûr chinois. Ah, je peux envoyer une photo pour qu'on crée mon perso. Oh, carrément quoi. Ah bah écoute, pourquoi pas. Mais tu lui ressembles déjà un peu. Hein. Tu trouves? Bon, t'es baraque quoi.
Ouais. J'ai quand même une peau plus foncée. Ouah, c'est bon. Alors, le Namek aussi, ouais, je sais pas à quoi tu veux ressembler. Coréen? Un Linamek, ça fait coréen. D'accord, on va te mettre du coréen. Il faut qu'il soit vert. Hein. Ah bah, on peut essayer. Oui, on va le mettre. On va essayer de lui mettre une peau verte. Ouais. Tu crois que race, il y a la race le Namek ou un truc dans le genre? On va mettre. C'est que des humains. Sauf qu'il n'y a pas North Korea, c'est quand même dommage. Alors. Ah, ils ont tous des belles têtes, hein. On dirait des Néandertals, quoi. Ou des Néandertaux, je sais pas. Ah, merci Pancratos. Et t'as quoi comme cheveux, le Namek? Tu mets des antennes en coiffure. Bah, il est chauve, non? Attendez, on va tenter un truc, mais... C'est à peu près ce qui pourrait être le plus ressemblant. Skin color. Ah oui, j'ai pas vert, quoi. Là, ça fait bien Linamek. La belle tête de Coréen, quoi. Ouais, je peux pas te faire vert, je peux pas te faire en Namek, quoi. Alors, Coréen. Ah, il n'y a pas de voix Coréen. Mais je pense que l'Italien... La moustache de biker. Et il faut ne pas oublier. Ah, t'es un peu vert comme ça. La moustache verte, on va essayer. Ouais. Ça, mais tu peux pas encore avoir de tatouage. La moustache verte. Ah, ça c'est pas mal. Là on est pas mal. Ok, suivant. On va faire un dernier et on va y aller. C'est qui le dernier alors? Mince, je crois que j'ai viré l'Ostropole. Je ne sais même plus. Peut-être que quelqu'un l'a encore pour me dire. Après, pour prendre les gens qui sont là maintenant, on a Scrain, on a Hydrobomb, on a Van Houten, les habitués. Bah oui, bah je ne sais pas. On peut faire. On peut faire qui était deuxième? Il était troisième, Hydro? Non, Hydro, il n'était pas encore arrivé. Ah, bah c'est un habitué, Hydro. Donc on va aller. Tu as dit Hydro, donc tu as choisi. Donc ce sera ta responsabilité. Je sens qu'il va mourir vite. Bah non, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est toi qui l'as choisi. Bah, moi aussi, je vais mourir vite. Je sais pas à quoi ressemble Hydrobomb en vrai. C'était Lunmia qui était troisième. Non, c'est... On me dit trop tard. Ouais, mais n'oubliez pas, de façon... Il risque de pas tout se tenir. Hein. Désolé. Nationalité de Hydrobomb. Bah, champignon. Du royaume champignon. Les champignons, ça vient d'où? Bah, de France. Il y en a partout, quoi.
Ah, Hydrobombe, il veut que ça, qu'elle s'appelle Lumia. Ah là là. Lumia. Mais Lumia, c'est garçon, c'est fille? Je ne sais pas de quelle sexualité elle est. Qu'est-ce que je raconte? Il est tard. Elle s'appelait Lumia, hein. Histoire qu'elle ait... Lune, L-U-N-M-I-A. Non, Lune, L-U-N-E. Et elle va être espagnole. D'accord. Lune. Je sais pas ce que t'en penses. Ou mexicaine. Je sais pas si c'est un garçon ou une fille, toujours pas. Hein. On ne sait pas. Bah avec le décalage, ils mettent un peu de temps à répondre, en fait. C'est un téléphone, effectivement. On va savoir si... il me faut un gendeur, comme ça, ce sera fait. C'est oui, Nokia, oui, à la même blague, assez rigolo, hein. Les champignons, coup, c'est d'Amsterdam. Je suis un mec. Donc, tu veux rester un mec? Tu as le choix. On t'offre la possibilité de choisir. C'est pas tous les jours. Je sais pas. Tu penses que tu as le visage le plus quoi? Moi, je te verrais bien en fesse. Ah ouais, elle a fait ça. Elle a dit qu'elle était une fille. Je te ferais bien en fesse, effectivement. C'est vrai que si c'est Nokia, c'est finlandais. C'est vrai. Ah, je crois que j'ai trouvé les bons cheveux. En race, race 3. Putain, la race 1, elle défonce. J'espère que t'es noir. Hein. Putain, méga dark, quoi. Oh la vache, je vais le faire méga dark. Il n'y a pas la nationalité bretonne. T'es breton? Parce que là, t'as pas l'air du tout breton, quoi. Mais alors, pas du tout le breton, quoi. Genre, tu vois, il y a breton, et ça, c'est l'opposé, quoi. Non, moi j'aime bien, il est bien noir, quoi. Salut, chatoufou. On aime beaucoup ce pseudo. Ah, je pourrais imiter les animaux aussi. Encore jamais fait. J'espère que t'es noir. Il miope 2016. Ça pourrait être avec le Namek aussi, quoi. Salut à Sharf, comment ça va? T'en sors avec le cube? Ah ouais, il commence à être vraiment pas mal, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois le ski masque, ça me fait rire. Ah oui? C'est une tête de Namek, le ski masque. C'est un peu ça. On peut essayer si tu veux après. Ah ouais. Et bonsoir à Monica Go. On dirait un intello avec ses lunettes, ça va être trop bien, quoi. Ah, bientôt les vacances pour Acharf. Ah, bah oui, c'est la fin de la semaine, là. Dans une semaine, ouais. Voilà, c'est bien. J'aime bien les mecs qui ont des peintures sur le visage. Moi, je trouve qu'ils ont la classe. Ah, t'es pas mal. T'es pas mal, Lumia. Ah oui, on a dit qu'on allait voir pour le Namek. Oh putain, en même temps, le Namek, t'es tellement beau. J'hésite presque, quoi. Franchement, t'es trop moche comme ça. On peut pas te laisser. T'es tellement bien comme ça, quoi. Par contre, si tu veux un bandana...
Ça fait le Namek, ça. Ça, c'est un truc que porte Piccolo. Je peux pas choisir sa couleur, le Bini. Franchement, là, je pense que t'es pas mal. Il est parfait, le Namek, franchement. Ok. Ah, je t'ai mis les yeux verts. Je vais te mettre l'arme verte aussi. Voilà. Voilà. Ça y est, on y est. Le Namek, il est bien Namek là. Ok. C'est parti. Just stay clear of the perimeter, understood? Commander, good. Ah bah viens, Charles, si We tu got veux. something here. Viens me faire des Despite all bisous. of Advent's efforts, there are still people who refuse to believe Parfait pour le that camouflage. It's time we let them know they're Green everywhere, bah We've already ouais. located a target for our first operation. Sir, given our current location, there's actually no way the Sky Ranger could reach that position. Who said anything about the Sky Ranger? Shen. Status report, are we ready? Short answer, yes. But you might all want to hold on to something. Oula. Putain, on a la base qui se déplace? Tu sers de l'heure. Ah ouais, la base, elle est déplaçable. C'est la violence, quoi. Ah ouais, on a fait un gros vaisseau, quoi. Oh la vache. C'est classe. Je valide. C'était exactement ça qui manquait dans XCOM. Ah ouais, tu te déplaces avec ton vaisseau sur la map, quoi. Ouais, exactement le vaisseau du Shield. Ah, j'ai perdu Pilou. Allô, Pilou? Oui, me revoilà. Tu étais perdu. Eh oui, écoute, ça se passe comme ça dans le cyberespace. Bah oui, c'est pour ça que j'ai vu que tu faisais des choses. Non, mais c'est j'étais le juste à vaisseau côté du de Shield, toi. C'est le vaisseau de Freezer. Alors, review target. Western US, easy. On reward le docteur Emmanuel Thomas, un ingénieur. Allons-y. Commander, it looks like Shen prepped a med kit for us. We should equip one of our soldiers with it before they deploy. Alors, c'est pas du tout les persos que je veux. Donc, Pilou. Voilà. À vos ordres. Alors, t'as pas été modifié, mais je trouve que c'était pas mal. Donc, au pire, si tu veux, après, on te... Comme vous voulez, chef. Les Namek. Le Namek, il est parfait, sérieux. Et Lunmia, putain, cette équipe de winners, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'équipe quelqu'un de quelque chose, c'est ça? Ah, il faut que quelqu'un ait un medikit. Je te mets un medikit, le Namek. Alors là, si on perd, je ne comprends rien. Le Namek fait une belle cible, effectivement. Béguin mission. Le Namek, c'est des healers. T'as bien raison. Oula. Oula là. Le jeu se tape des ralentissements de l'enfer. Putain, mais indigeste, t'es belle aussi, quoi.
Entre Indigeste et le Namek. Non, vous êtes pas mal là, je vous aime bien mon équipe, je vais essayer de pas vous faire mourir quoi. Ouais, j'apprécierais de ne pas mourir. De toute façon, c'est à partir de maintenant que ça va être drôle, parce qu'on va utiliser vos noms, et on va rigoler, on va faire des blagues, tout ça. Oh là là, là. C'est vrai que c'est... Entre le vert et le bleu, c'est vrai qu'on peut faire une équipe de Power Rangers, hein. Ah, au moins, on le voit bien. C'est presque pratique pour moi qui joue, quoi. Pour vous qui regardez aussi. Ah, mais j'ai un chignon, moi. Oui, t'as un petit chignon. Elle est colorée, mon équipe, ouais. À la prochaine fois, on fera un rouge et orange. Ah, moi, merde. Je suis quoi? Je suis quelle couleur, moi? Toi, t'es, pile ou crapaud. Toi t'es rien. Toi, t'es couleur guerre. Toi, t'es couleur de la guerre. Ça me va, général. Ah, on peut hacker ce truc-là. Neutralize all enemy target. Download genetic report from exposed access point. Ok, pour l'instant, je vois pas où sont les ennemis, donc on va aller là. Allez, Indigeste, cours! Oula! J'ai et trouvé... c'est Sinutrix 666. Oh putain, ils ont vu Indigeste! C'est le bordel! Déjà? Ouais, voilà, c'est le bordel! Ils veulent arrêter Indigeste! Oh là là. Indigeste! Non! Elle est pas morte, hein! C'est juste que c'est le bordel alors que j'avais pas prévu que ce soit le bordel direct, quoi. Allez, Pilou, on y croit! À vos ordres, général! Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Pilou, tu vas essayer d'aller te planquer là et de tirer sur un vilain. Tout de suite! Putain, en plus, c'est une snipeuse, quoi. Une snipeuse au contact, tout va bien. 69%. 30... Putain, mais eux, ils ont des taux d'esquive de fou, les sectoïdes, quoi. Allez, tire! Le sniper qui part en éclaireur, c'est bizarre, en effet. Oh, t'as raté à 69%, mon Pilou. Désolé, général. Oh là là. C'est pas grave, on va s'en sortir. Ah putain, il a une voix parfaite, Lumia. Alors, Pancratos te dit le dash en début de tour. Très mauvaise idée. Faut avancer doucement au début. Ouais, c'est bon, ça va bien se passer, là. Allez, le Namek. On va mettre le Namek là. Et tu vas te tirer. Ou je te mets en Overwatch. Alors tu vas te tirer. 52, 30, 27. Oh là là. Ah, et puis t'as pas de grenade, toi. T'es un faible qui heal. Je vais te mettre en Overwatch parce que t'es bien placé. Allez, c'est parti. Putain, faut qu'Indigeste survive, sinon je vais recommencer parce que j'ai vraiment fait de la merde, quoi. Et oui, l'Overwatch, allez, tue-le! Tue-le, le Namek! Oh là là, t'as miss. Non! Ah putain, ils sont trop relous, c'est infernal. Là, il va raise son pote, c'est ça? Voilà. Indigeste. Oh, et Indigeste qui fait le miss. Tout va bien. Bien joué. Bah, quel beau sapo. Alors que Pilou est de retour dans la partie, on va pouvoir te refaire avancer, je pense. Où vais-je? Dans l'étagère. Tu vas vers la position. Putain, il était en Overwatch, lui. Bon, ça a mis, t'as de la chance. Ah, mais t'as le launch frag grenade, toi. Ça me paraît bien, ça. Oh oui, ça me paraît bien. Grenade lancée. Grenade lancée. Allez, mon Pilou. Pouch. Oh oui, mon Pilou. C'est beau, ce que tu fais. C'est ma guerre, capitaine. Ah, c'était une belle guerre. Attends, on va jouer avec Indigeste. Est-ce que tu pourrais me le tuer si tu lui cours dessus? Pistol Overwatch, Fire Pistol Overwatch.
Fire Sniper Rifle, ça fait quoi ça? 75%. 20%, mais putain, il est à 2 mètres de toi, t'es un sniper. Ah, tu vas me faire une grenade. Comment ça ma demande insistante, guide qui me progresse? Eh oui, j'imite Jean-Claude Van Damme. J'espère que tu vas faire 4. Ce serait bien que tu le flingues. Oh, t'as fait 3, quoi. Ah, je suis pas fier de toi, Indigeste. Hein. Alors, Ludmilla. C'est à cause des lunettes, chef. Je vois que dalle, chef. Affirmativo. Ludmilla, j'adore son accent espagnol, il est parfait, quoi. 70%. Mais vas-y, mais défonce-le, là. Allez. Non, Ludmilla, je suis très déçu. Il a des lunettes, pourtant, je ne comprends pas. Mais il reste le Namek. Le Namek pour nous sauver. Allez, le Namek. Allez. 78% là. Allez, le Namek. Oui, le Namek a tué. GG, le Namek. Bien joué, le Namek. Et voilà, ça tue automatiquement la saloperie qu'avait Rez. Par contre, il est mal placé pour la suite, mon pauvre petit Namek. Mais je crois en toi. Et c'est le follow de Caramel Man 7. Oh là là, il fuit lui. D'accord, il fuit, très bien. Ok, ça se passe mieux, ça se passe mieux. On va s'en sortir, les petits amis. Toi, tu vas aller... Tu vas aller ramasser ça, mon pilou. Tout de suite. Voilà, tu vas ramasser... Ellerium Core Advanced Air Trigger Alien Data Cache. Très bien. T'as ramassé des bouts de sectoïdes. Oula, il y a des nouveaux ennemis qui arrivent. Oh oh. C'était pas prévu. Heureusement qu'elle était là, ta grenade. Hein. Merci, chef. Je sais pas si je pourrais... Ah ouais, je peux monter là. Ça peut être pas mal de monter au-dessus. Hein. Comment je fais pour monter? Non, je passe au-dessus. Je peux pas aller sur le toit, là. Y'a Conoker qui dit c'est normal que le mec en tenue de paintball soit celui qui fait les kills. Eh oui. Ouais, tu vas courir jusque là. Location confirmada. Alors Pancratos qui est de bons conseils dit les mecs qui s'enfuient vont souvent chercher des potes. Faut faire attention à ne pas les laisser t'attirer dans un piège cependant. Je peux pas hacker là? Comment ça marche ce truc là? Et coup de molette pour monter la caméra d'un étage, nous dit Quev. Et salut Zébus de Pussoif. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. C'est pas grave. Allez le Namek, on avance. Et bonne nuit, Elgin 675. Elgin, Elgin, je sais pas comment ça se dit. Et bonsoir, et patate. Ouh, t'as évité les tirs, mon pilou, c'était beau. Merci, chef. Ah oui, c'est Julien Lepers avec Real Miap. Oui. Ah, lui, il va aller faire chier. J'espère que tu vas pouvoir... Oh non, il a pris le Namek. Le Namek a paniqué. Le Namek est monté à l'étage. Et il tire sur... Et il a essayé de tirer sur l'ennemi. Putain, c'est une bonne panique, ça, mon Namek. J'aime quand tu paniques comme ça. T'as pas fait n'importe quoi. T'as pas tiré sur tes potes, déjà, quoi. Oh, bon pilou, t'as pris 3 de dégâts.
C'est rien, chef. Ouais, c'est la moitié de tes points de vie, rien. Bon, Pilou, par contre, il y a le Namek qui est toujours en panique. On va tenter des trucs, hein, les amis. Il a que 5 PV lui, mais alors là tu as intérêt à me défoncer quoi. 85%. Voilà. Ah, il a besoin d'un peu de munitions. Ok, comment je monte là-haut là? Truc que je ne comprends pas. C'est comment je monte là-haut. Mais la molette, j'arrive. Ah, c'est à l'envers la molette. Oh putain, quelle connerie. Okay. Allez, indigeste, on y croit. Pistol Overwatch, ça va nous faire rêver. Et Pilou, Pilou, tu vas te diriger aussi par là pour aller rejoindre notre ami le Namek qui peut pouvoir te soigner en théorie. J'espère qu'il va pouvoir me soigner, chef. Je me sens pas très bien. Ouais, on va voir. Et on va te mettre en Overwatch. Non, bah non, je peux pas faire d'Overwatch là. Bon, il va essayer de tuer Lumia. Oh, Lumia a pris 3 de dégâts, mais il est pas mort. Allez, faut tenir. Oh oh, je crois que tu es mort. Non, tu t'es pris un critique, t'es mort. Oh là là, il y a l'autre qui panique, il y a Lumia qui panique. Ouais, et le Namek ne panique plus, et toi t'as quoi? Je sais pas si je peux te sauver avec le Namek. Non, je peux récupérer ce que t'as looté quoi. Je peux pas te sauver. Ah merde, Pilou? On a encore perdu Pilou. Non mais je fais le mort. Ah tu fais le mort, ah merde. Parce que je suis mort dans le jeu. Ah non, mais je sais pas, il faut que tu sois mort mon Pilou. T'étais bien comme perso, je pense qu'en fait tout le monde va mourir, on va recommencer la mission, je le sens bien. Mais tu vas récupérer le perso de Pancratos qu'il a fait? Bah peut-être, on verra bien. Il y a une surprise aussi apparemment avec le perso. Très bien. D'ailleurs c'est Geek in Progress qui a fait pas du tout Pancratos. Je me perds dans les gens qui connaissent le jeu. Il est où le méchant là? Où est-ce qu'il est passé le vilain? Le Namek va aller chercher le loot en attendant. Il va récupérer ton loot. C'est dommage, j'avais des PV à te donner, il t'a one shot quoi. C'est la dure loi de la guerre, capitaine. Ouais. Oh, il peut tirer là. Très bien. J'ai très peu de chance de toucher, mais bon. Ouais, raté. Il était pas customisé, ça compte pas. C'est vrai que c'est pas le perso sur lequel on a passé le plus de temps. Elle peut pas tirer là? C'est quoi le problème des snipers là? Ah, lui il s'est pris 3 de dégâts, ça a explosé.
Très bien. Bon, le Namek a survécu, ça a évité les tirs. Au pire, on refera un Pini Custom, effectivement. Et je ne panique plus avec ce perso-là. Il est où le terminal là? Mais on s'en fiche, Guy, qui ne progresse si c'est pas ressemblant. T'as proposé que je t'envoie une photo pour faire un truc, je te l'ai envoyé, ce sera déjà pas mal. Salut Black Cyril 2. Alors, les snipers ne peuvent tirer au sniper que si c'est la seule action de leur tour. Tu ne dois donc pas te déplacer ou autre. Ok. Allez, t'as 26% de chance, mais bon. Putain, c'est nul les snipers. Je suis désolé, indigeste, mais là. Il y a Keops 7 qui dit, il faut lui dire que le carré de la zone de loot, c'est pas pour rien, ça te permet de récupérer et de te mettre à couvert. D'accord. Bon, allez, on va envoyer le Namek en mode Wuyolo. Ouh là là, c'est peut-être dangereux ce que j'ai tenté. Ah, ça le fait fuir, hein. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Ah, merde! Ah, il contrôle! Ah, il mind contrôle mon indigeste! Oh oh! C'est pas très bon signe! Bon, je hack! Ok. Le hack est réussi. Indigeste ne veut pas mourir comme ça. Mais t'inquiète. T'as quoi comme pourcentage là? 72%. Mais tire pas sur lui, tire sur lui. 57%. Alors qu'il est tout près, 50. Putain, mais le taux d'esquive de ces bestioles est délirant, quoi. Bien sûr, il n'y a pas de grenade, quoi. Putain, c'est encore plus bas, quoi. Ah, les missions sont générées aléatoirement? Ah, il a touché, le Namek. Le Namek, il a fait, il défonce. Ça suffit pas à tuer, mais bon. Là, je sais que t'as plus de munitions, mais... T'as une grenade, et ça... C'est déjà beaucoup. Tu vas te déplacer... Bon, tu vas recharger. Bon, on va voir ce qui va se passer. Oh là là. Oh là là. Oh, elle a mis deux dans le Namek, indigeste. C'est pas très camarade. C'est pas très camarade, comme tu dis. J'en fuck Polunga. D'accord, les maps, les ennemis, les objectifs sont générés aléatoirement. C'est intéressant. Chaque partie est différente, et oui. Ouais, c'est ça qui est cool. Hein. Oh là là, les mind control, oui, bah oui. Comment je vais faire pour te déplacer? Faut qu'il vienne m'aider, lui, on a pas le choix. Ah, y'a du roleplay dans le chat, ça fait plaisir. Ah bon? Ah ouais, bah... Indigeste qui dit pardon, c'est ah, tout bah, ce verre, ça m'a troublé. Et le Namek qui dit, elle m'a visé le bras, arrachez mon bras et tout ira mieux. Non, je peux tenter des trucs débiles, mais...
Ouais, de toute façon, là, je vais pas avoir trop le choix que de tenter des trucs débiles. On va tenter le coup dans le dos sur le sectoïde. Il va falloir que ça fasse des dégâts. 85%. Avec un peu de chance, je le bute. Oui, il est mort. J'ai fait un critique. J'ai sauvé un digeste. C'est bon, la mission est terminée. Je suis désolé, mon pilou. Désolé, pilou. On va t'en refaire un, pilou, parce que c'est vrai que c'était dur. En même temps, t'étais un grenadier, c'était bien, quoi. Most Underfire, sergent, pilou, crapaud. Ah oui, c'est moi. Most Damage Deal, le Namek. Most Attack, le Namek. Il Faran Zero nous follow. Merci pour le follow. Le healer qui tue tout le monde, c'est clair. On n'est pas tous morts, effectivement. Ouais, parle pour toi, indigeste. Non mais Pilou, on va te faire revenir. Je me sens exclu du groupe. On va te faire revenir, c'est... Je suis mort à vos yeux. Alors, on a deux blessés. Et Pilou Crapou qui est... KIA, Kill in Action. Now that we've got some help, we can start clearing out the old equipment and debris from the ship to make room for new facilities. Oui, c'est vrai, c'était mon double. On a envoyé un clone à ma place. Ah bah là, de toute façon, tu vas t'appeler Pilou Crapoule 2 ou... Pilou Prime. Pilou Prime. Salut Bouic Bouic, je suis un fantôme. Ouf. Agro-grou. Je viens hanter le stream de Real Myob 2. Le narrateur, oui, ça me va aussi. Mais le truc, c'est que je vois le... C'est en décalé. Avec le délai, ouais. Ça me plairait pourtant. Phil ou Crapou? Alors attention, c'est la grosse musique. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. Wow. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site. Though its exact location remains unknown. Je suis vraiment fatigué. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, et lui, c'est Commander. Qui? C'est l'homme à la cigarette. Looks like we better get started, Commander. I'll be on the bridge when you're ready. Je suis obligé d'aller là, quoi. Commander, our current position is here, just outside Resistance headquarters. When we're not on the move, this will serve as our home and our source of supplies. D'accord. The councilman has tracked the alien black site to this region. Unfortunately, we don't have its exact coordinates yet. Désolé, je suis vraiment fatigué. Bah, il est tard, hein, il est 2h. Ouais, ouais, puis je suis levé tôt, j'ai une bonne journée. J'ai pas commencé tôt à jouer, quoi. We'll need to give him time to conduct his research. We shouldn't wait too
toute façon, c'est pas tout à fait triste parce qu'on garde le meilleur pour la fin. C'est quoi le meilleur? Bah Michel Drucker. Bah oui, de toute façon. Sinon, on peut peut-être donner des nouvelles de GTA des Magos aussi. Oh, si tu veux, vas-y. Bah, le mode avance un peu. Mm-hmm. Hein. Notamment les checkpoints sont faits, voilà. Apparemment. Après, les autres avancées vont venir petit à petit. Mais ouais, c'était un vrai travail de fourmi que font nos amis modeurs. Et voilà, quoi. Michel Drucker, pas mal le Namek pour un nom de salon de coiffure. Ah, j'ai dû faire avancer les jours. Mimimatif. Mimimatif, oh, putain, c'est bon. Putain, Screen, tu m'épates là. Ah oui, le Namek prépare des énigmes, de plus en plus d'énigmes. Il y a beaucoup d'énigmes. Des énigmes à ne plus savoir qu'en faire. Oh, Judge Dreadlocks. Il y a pas mal. Aurori. Ouais, j'ai toujours pas vos personnages de disponibles à l'achat. Ah merde, il y a le Namek qui est encore blessé. Alors, on va aller prendre... Hop. Ah, il y a déjà un weapon upgrade. C'est bien ça. Le mec, il en peut plus, on veut qu'on lui arrache ce bras. Ouais, je pense, ouais. Chez le père Huck. Wow. Voilà, pile ou crapouille. Le belge. Je te mets en mal quand même. Oh, t'es beau. Mais on va quand même te rendre plus beau. Hey, Rilmiop, tu sais que je peux prendre l'accent belge? Il était vraiment random celui-là. Tu veux ressembler à quoi? Mais il y avait pas Geek in Progress qui a fait un truc là? On peut pas le prendre encore? Bah non, parce que je peux pas choisir en fait. Tu vois, je peux pas les mettre dedans. Eh ben écoute, je sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas cocher un truc dans les fiches de perso et milieu, genre soldats pouvant être recrutés ou activés? Je sais pas du tout. Un belge. La tête de belge. Fais-moi comme tu veux, ce sera plus simple. Parce que je peux pas voir ce que tu fais au moment où tu me le dis, tu vois. Donc ça va être une galère. Geek in Progress dit Realmiop 2, j'ai un crapaud dans ta boîte mail. Ah. Ouais, mais c'est pareil, ça va être la galère. Plus de sacrifices, plus de sacrifices. Ah, d'accord. Ou alors essaye de faire Joe l'anticonformiste. Oui. Bon, ils sont sauvegardés, mais de toute façon, on fera ça demain. Arms, oui.
Surtout, c'est qu'on va te mettre des belles couleurs. Ah, on manque de barbus. Je ne dis rien, mais tu vas rigoler. Bien reçu. Oui, c'est très beau, c'est très beau. C'est très très beau. J'aime bien quand tu laisses libre cours à ton imagination. Oui, mon imagination est très utile. Lunia, t'es bien noir, effectivement. Ah, on peut te promouvoir. Oh là, t'as un petit truc avec toi. T'as des drones. Mais c'est parfait. Aide protocole. C'est cool ça. Combat hacker, ok. Allez, on va te mettre ça. Bonne nuit indigeste. Moi, je pense que tu vas être bien comme ça. Tu vas être noir et blanc. Ça va être la teuf. Ça, je vais bien vous reconnaître au moins. Ah, le Namek est un grenadier. C'est bien, j'ai récupéré un grenadier dans le Namek, ça te va très bien. Faut que je fasse passer un petit peu de jour pour récupérer mes persos, qu'ils soient soignés. Alors, Alien DB clear the new room, view room. Ah, il faut que je sois juste que je construise. Je sais pas ce qu'il y a bien à construire pour le coup. Ouais, je vais rien construire parce que j'en ai rien et j'ai pas envie de faire de la merde. Et on va aller se battre et voilà. I take it this was easier than your last procedure, Doctor. Central, Commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent Captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the Commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent Captain's implant. D'accord, pour Kratos. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the Commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes. What we're seeing here is a psionic network.
These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information, somehow encoded in a stream of psionic energy. Putain, c'est beau comme technologie. Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Ah bah, suffit de couper le lien. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. New objective added. I'm keeping tabs on all our operations, Commander. Our people are standing by for your orders. The Advent Captain seems to provide a means of stabilizing the link between the local subordinates and the Advent Network Tower itself. Commander, if we're going to try to build this skulljack that Tigan came up with, we're going to need a specialized facility to test it out. I'll see that work begins immediately, Commander. I'll contact you when I have a full report available. There's room for us to expand our facilities on board the Avenger, Commander, but we'll need more engineers to clear up space for construction first. Pourquoi je peux pas bouger? C'est bon, c'est fini. Merci Elspark. Toujours là mon Pilou? J'ai perdu Pilou. Non, je suis là. Est-ce que je mange? Ah, mange. Et comment je vais faire la guerre là? Mission Locke. Strategic resource located. Setting course for the Western US. D'accord, donc c'est bon, j'ai récupéré ce qu'il fallait, je rentre. Bonsoir, Red is Dead. Pas mal, c'est un docteur 89 d'Intel. Allez, on va se faire ça et puis ce sera le putain, vous défoncez mon équipe. Ah, vous êtes vraiment des champions. C'est parti. L'équipe qu'on peut pas rater dans le noir. Les Power Rangers de l'enfer. Ils ont détruit. Allez, big game mission. Du coup, moi, je suis rose. Oui. Comme dans Très Titanic. Bien. J'ai une belle casquette. T'as une belle casquette. Non, tu vois, la fille est bleue, le garçon est rose. Nous, on n'est pas sexistes. Le noir est blanc et le Namek est vert. Tout va bien. Oh. Des belles têtes de vainqueur. J'ai oublié de te mettre des lunettes. J'espère que tu ne meurs pas à toutes les missions, Pilou, ce qui serait drôle, mais... Je suis quoi maintenant comme faction? Ah bah t'es rien. Je suis un rookie. T'es un rookie. Oui, ça me donne des chances de survivre, ça, d'être un rookie. Une sermon. L'équipe anti-discrimination.
Oh là là. Alors, je ne mange pas de chips. Non. Il n'a pas les moyens. Non. Il mange des pâtes. Des pâtes sèches. Il n'a pas les moyens de les cuire. J'ai pas l'eau. J'ai pas payé l'eau. C'est pour ça que ça croustille. Donc là, on est Council. Ok. Rescue VIP, Frontline Call, Extra VIP et Extral All XCOM Soldier. Ah bah d'accord, je peux pas mourir quoi. Ordenes confirmadas, en marcha. Patrulla enemiga en marcha. Ah, d'accord. Je rejoins la position. Je suis dessus. Je me chie dessus. Salut Gilem. Et mon Namek, on va te mettre. On va te mettre là. C'est pas des ennemis, ça. J'ai pas tué eux, quoi. Ouais, d'accord. Ah, Pancratos, j'aurais bien aimé me faire ça comme dessert aussi, hein. Petite glace vanille, noix de pécan avec des spéculoos. Ouais, bah je peux, moi. Je dois en avoir. Apparemment, il y a quelqu'un qui revient et qui joue à Crash Bandicoot, ça l'a saoulé. Tu es venu sur le bon stream dans ce cas. Ah, Crash Bandicoot. Ah, il a donné plus 20 de défense à le Namek, le drone. Allez, indigeste. Sur qui là? Oh, tu peux taper sur sectoïde à 75%. Est-ce que tu peux l'atteindre avec ta grenade là? Il est où le sectoïde là? Il est loin. Toi, comment tu lui mets du 75%? C'est parce que t'es concealed. Il y a Hydrobobomb qui te propose de faire un let's play sur Chroma Squad. On rigolerait bien. Je sais pas ce que c'est. Alors, je crois que j'ai vu dans le bazar du grenier un let's play. En gros, c'est un espèce d'RPG, mais dans une ambiance de Power Rangers. Tu lui as fait 7. Tu lui as fait 7 de dégâts. Il est quasiment mort. Je suis désolé. Oui, non, mais tu as raison. Il est quasiment mort. Ça va pas te plaire. Je vais lancer une grenade maintenant. Et voilà, allez! Allez! Oui! C'est magnifique ce que t'as fait, indigeste! Il s'est fait tuer au premier tour. Oh, c'est beau! C'est super beau ce qui vient de se passer, les petits amis. Hyper fier de ce que vient de faire mon équipe, là. Indigeste et Pilou. Le beau duo.
Dommage qu'elle soit plus là, parce que là, elle pouvait être fière d'elle. Ah, il faut que je les tue, eux. Mais ils ont pas l'air si méchants. Bon, bah, c'est pas grave, tu l'es. Ah non, il était loin, en fait. D'accord. Oh putain, il vise bien, là. Là, il y a mon petit robot qui est reparti. Oupa. J'ai le hoquet. C'est parti pour l'infiltration du système. Allez, petit robot. Allez, vidéo feed. On a eu un world record de ban sur Twitch, là, bon. Oui, il y a eu un anglais qui a dit « suck my dick », et un mec qui a dit « wesh, bande de fils de pute, bien ou quoi ?» Ah. Donc, c'est le time-out. C'est le time-out, effectivement. C'est mérité. Putain, j'en reviens pas comment je l'ai flingué, le gars, là. Tu as le hockey ? Effectivement. C'est nul. Comme dirait Jean Reno dans Les Visiteurs. Ok. Et Indigeste va se déplacer aussi. Voilà. Indigeste, on va le mettre en hauteur, hein. C'est ma petite snipeuse. Je suis désolé, j'ai coupé mon micro juste pour les mots. Vas-y, ça va être sympa. C'est un peu marrant quand même. Quoi, ils m'ont vu ? Allez. Ouh, c'est pas dû passer loin. C'est ça, je suis stressé par la mission, ça me donne le hockey. Voilà, allez. Ennemi neutralisé. Ça neutralise les ennemis là. Ah, et une promotion pour. Pour toi, mon pilou. Mais je l'accepte volontiers, qu'est-ce que je deviens ? Affirmativo. Alors on va voir si on peut envoyer Lumia. %33 C'est pas beaucoup. Par contre, tu as une grenade. Et ça, c'est mieux les grenades. Allez, petite grenade pour Lumia. Voilà. Les Namek, il va se diriger tranquillement. Là. On va faire courir un peu les Namek. Here, yeah, oh yeah. Ah, j'ai perdu le loot. Ah, le loot, c'est pas permanent. Comment je fais pour extraire le gars, là ? Faut que j'aille dans le van ?
C'est à l'arrière du véhicule, il faut que je fasse ça. Position confirmée. Allez le Namek, on y croit. Quand Kratos te dit que la porte arrière du van peut se hacker. Ouais, c'est parti, je fais avec mon drone et j'ai le Namek pour l'accueillir à la sortie. Mais quand tu dis ton drone, c'est le mien. Non. Non ? Non, c'est pas ton drone, c'est le drone de Lunmia. Ah, d'accord. Bah, c'est... Ah oui, mais c'est pas le tien quand même. Non. C'est lui de Lunmia. Ouais, c'est Lunmia qui a un drone. Je sais pas si je pourrais le mettre plus à couvert que là. Allez, les Alien Activity, c'est calme. Hein. Je sais pas s'ils vont vraiment popper ou si en fait non. Status confirmed. VIP is in tow. Proceed to the extraction point. Alors comment ça marche le VIP? Il est automatique encore? Ou il faut que je l'emmène à pied là, comme il disait qu'on peut le transporter, c'est pas ça le délire? Mi avvicino alle coordinate. Je sais pas comment on fait, je vais faire un Overwatch, mais... Comment on fait pour transporter quelqu'un? Le evac point, c'est... là-bas. On va vous faire descendre et courir un peu. D'accord. D'accord. Pilou, il est d'accord. Toujours d'accord. Jamais mort. On va faire descendre aussi. Go, 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 c'est ça. Tu vas en prendre le contrôle. D'accord, ok. Ah, ça a changé ça. D'accord, maintenant je peux le contrôler. Très, très bien. Je pense qu'il ne peut pas faire grand chose. Go, go, Power Ranger! On est parti sur les jeux de mots avec drone. Ah bon? Drone-moi ta main et prends la mienne. Là. Est-ce qu'il y aurait des aliens à venir? We're picking up an enemy transport inbound on your current position. Donc il y a des ennemis qui arrivent. Guardia.
Je suis en route. Affirmative. Je couvre la zone. I'm on it. Ok. Alors, les voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont l'air moyennement contents. Bon, ça va, ils sont trois. Surtout, c'est ils sont où? Ah merde, ils m'ont vu direct, quoi. Mais... Il y a mon Overwatch. Allez, c'est raté. Oui, bien joué. Oui, deux de mort. À peine ils sont arrivés. Il ne reste plus qu'un. Oh, comment ça fait méga mal. Oh putain. Ça, c'est pas cool, par contre. Ça, c'est pas cool. Un vilain sectoïde. Si je te rapproche. Hey, Marta. Avec 81%. Ça, c'est cool. Allez, 5. Et là, je peux peut-être lui mettre une grenade à la gueule tout de suite. Est-ce que Pilou, t'as des grenades? Ouais, t'as des grenades, mon Pilou. Toujours des grenades. Je suis plus grenadier, mais j'en ai. On va tenter ça. Merci, Dronion. Quoi, ça l'a pas touché? Oh là là. Oh putain, du geste, elle a raté. Non, Black Cyril, c'est pas du multi, mais on fait partie de l'équipe de Real Myop. Ce serait marrant. On peut jouer en multi à ce jeu, d'ailleurs? Je crois pas. Peut-être, si. Bon, puis le Namek, là, il va falloir assurer. Hein. Parce que j'ai fait de la... Pilou a fait... Mais, hey! Ma caméra qui s'en va. Si tu tires, là, ça fait quoi? 49, ok, on s'en fout. Tu vas te mettre là. Et tu vas... Faire une grenade. Une bonne frag grenade dans ta mère. Ah, on me dit qu'on peut jouer en multi. Ah, c'est cool. C'est Geeky in Progress. Allez, là, frag grenade. Là. Ah là, il est mort. Bon, il nous reste que deux gars à tuer, ça devrait se faire. J'aurais préféré ne pas faire comme ça. Oula, Pilou, c'est chaud. Non, il préfère aller se planquer. Il va pas tirer dessus, je pense. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ouh, il va s'en prendre un digeste. Non, il tire sur Pilou. Oh, il lui a fait 3. Ouh là là. T'as eu mal, mon Pilou. Non, c'est rien. J'ai juste le hoquet. Ok, ok, ok. Ah merde, faut qu'elle recharge un digeste. Bah attends, elle va y aller à coup de grenade. Get ready for a surprise.
Ah, parfait. Et elle prend une promotion. Alors, comment est-ce qu'on va aller flinguer ce petit con? Comme ça. Hop. Ah, il a fait un Overwatch, le salaud. Oh, il a mis 3 Alumia, lui. Ah, il a paniqué. Il va lui tirer dessus et il le rate, forcément. Dans la panique. Je vais te protéger et on va te healer. Tu vas recharger. Je suis prêt à y aller. Confirmo. Le Medikit, ça tape sur plusieurs personnes? Bonne question. Bon, c'est pas grave, je vais réparer Pilou. Voilà. Pilou, tu es en forme. Il reste Lumia là qui nous agresse. Oh, il s'en prend indigeste, mais il rate. Ouais, tout va bien. Alors, Pancratos te rappelle. Commence à avancer vers la zone d'évacuation par contre. Si le compteur de tout arrive à zéro, tu perds tout le monde. Ah ouais. Il faut que tout le monde soit sorti. Ok. Bah ouais, on va faire ça. Voilà, Pilou, t'as tué le dernier ennemi. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? C'est bien, je suis fier de toi. Allez, on va courir maintenant. Allez, indigeste, wouh! Io ci sono. Ah, Lumia ne panique plus, c'est une bonne nouvelle. Ah, oh, ça va se faire. On va être chaud, mais on va le faire. L'IVAC, c'est... Elle partirait pas toute seule, là. On va voir. Ok. VIP al sicuro è in posizione per l'estrazione. Bonne soirée, Redis Dead. Et le Namek, hein, tranquillement, il fit ses petites aventures, tranquillou. Non, un par un. Ah, il est passé par la corde. On y va, on y va, on va au evac point, là. Il me reste que une personne à sauver, tout va bien. Il est pas trop loin, donc tout va bien. Ça sera parfaitement passé cette mission. J'ai pas eu un seul perso contrôlé, donc c'est cool. Voilà, mission bien réalisée. On va se quitter sur une belle victoire. Pas perdu de troupes. C'est bon. Excellent, voilà, rating. Ah, new record, je fais 83% de tirs successful. J'ai fait 0,75 morts par tour.
meilleur perso, Pilou Crapouille, Most Attack Pilou Crapouille, Under Fire Lumia et Move Furthest, c'est le Namek. C'est beau, c'est beau. On va pouvoir retourner tranquillement à la base pour tout ça, quoi. Peut-être voir un peu vos promotions, quand même. Ouais, t'as Move Furthest, ouais. Toi qui as été le plus loin. Ah, je regrette juste de ne pas avoir récupéré sur le sectoïde des trucs, parce que je savais pas que le loot disparaissait au bout d'un moment. J'avais oublié ça, que les sectoïdes disparaissaient. Ah. On va pouvoir faire des promotions. Alors, pour Lumia, alors soit il est Medical Protocol, soit Combat Protocol. Je le sens plutôt combat quand même, hein. Combat Hacker ou Battle Medic? Combat Hacker, allez. Le Namek, Blast Padding ou Shredder? Alors, Blast Padding. Your gear includes layer of extra padding and plate, granting a bonus armor of 66% less damage from explosive attack. Et Shredder, your gear. You cannot attack Shred Armor. Je préfère être un Heavy Gunner ou un Demolition Expert, le Namek. Dis-moi tout. Alors, en attendant, on va regarder la suite. Pour Pilou Crapouille, tu as gagné une habilité, c'est Slash. Tu es un gars avec l'épée. Ah, c'est bien ça, c'est un peu suicidaire. C'est très bien, ça te va parfaitement. Et Indigeste, elle est soit en Return Fire, c'est When targeted by enemy fire, automatically fire back with your pistol once per turn. Oh, c'est pas mal ça. Et Long Watch, allow Overwatch to trigger with Quest Sight. Ah, j'aime bien ça. Le Namek, je suis devenu ami avec Shredder, pourtant Shredder n'est pas le vert. Ah, Long Watch, t'as vu, j'ai vu tout de suite que c'était cool, Long Watch, hein. Tu veux quoi alors, le Namek? Shredder, voilà, ou Blast Padding. Soit t'es super solide, soit t'es Shredder. Shredder, en gros, voilà, you can attack Shred Armor. Tu peux péter les armures. Ça peut être bien quand même d'avoir un destructeur d'armure, parce qu'il va y avoir des ennemis très relous, je pense. Est-ce que le Namek m'entend? Est-ce qu'il souhaite répondre? Putain, je suis vraiment fatigué. 3h19 que je trie, ouais, en même temps. Ouais. Bah, étant donné qu'il a mis deux fois le mot Shredder, je pense qu'il a envie d'être Shredder. Bah, on va attendre une réponse définitive de sa part, mais... Ah, il est pas rapide, hein. Ouais, Shredder. Ok. Voilà. C'est cool, on a récupéré un scientifique et 89. Ouais, on t'a dit, je ne sais pas si tu as déjà fait, mais le centre de com, faut le faire impérativement au plus vite. Le centre de com. C'est le centre de communication. C'est quoi? Proving Ground? Laboratory Workshop Power Relay? Advanced Warfare Center? C'est ça que vous voulez? Je sais pas comment ça se traduirait. Bah, la seule chose que je vois, ce serait ça, Advanced Warfare Center, qui pourrait correspondre. Mmh. Bon, vous me direz, de toute façon, je vais pas le faire comme ça, on fera ça en arrivant. On va quitter, on va sauvegarder, save game. New game, elle va s'appeler save 6, c'est très bien. On va faire un petit quit to desktop. D'accord, bon, ça j'ai un peu de temps pour Kratos. Alors, les petits amis, chose promise, chose due. Ah oui. Alors attendez, est-ce qu'en plus je suis même pas sûr que ce soit sur YouTube, parce que c'est des vidéos
Alors... Ouais... Je vérifie, hein. Je regarde ce qu'elle dit de ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal, on va voir ce que ça donne. Alors... Toc. C'est parti, je mets à fond. Ah, cette musique. Ah, le public, il est vieux. Hein. C'est ma première loge. D'habitude, c'est moi qui viens voir les copains dans les loges, les soirs de première. Et là, ma première, elle est en province. La première sera, parisienne sera le 1er octobre, au Bouffe. Et là, je me trouve maintenant dans la situation inverse. C'est la première fois que je vais me trouver debout pendant une heure et demie, moi qui suis assis depuis 30 ans. C'est l'envie de redébuter. J'ai prouvé certaines choses dans mon métier. Je veux revivre le stress et le travail de quelqu'un qui recommence à zéro, quelque part, dans un registre qui n'est pas le sien. Je vais guetter les réactions parce que les gens se demandent ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il va faire sur scène? C'est pas son métier, c'est pas un comique, c'est pas un imitateur. Je suis un ovni dans ce métier, moi. Complètement. Moi, je sais ce que je vais faire. J'y pense depuis tellement longtemps. J'ai tellement travaillé pendant un an là-dessus. J'avais envie de ça depuis longtemps. J'en ai parlé à deux amis, Laurent Ruquier et à Fabrice Luchini. Et Luchini m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire sur scène, c'est énorme, t'es complètement fou, en plus tu débutes à passer près de Rennes, tu te rends compte le jeu de mots demain à la Une de Ouest-France, il est passé à passer, il n'est pas prêt de repasser. Je suis en première année de l'imitation. Alors Michel, cette première. Merci. J'ai pas encore bien réalisé. Ce que je sais, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait une assez grande qualité d'écoute. Les gens écoutaient ce que je disais. Et je savais que je disais des choses pour qu'on les écoute, d'autres pour faire sourire. Ouais, imitation. Mais je me rends pas du tout compte. Finalement, vous n'êtes pas si mauvais en imitation. Oh, j'annonce la couleur. C'est des imitations foireuses, mais l'important, c'est que les gens reconnaissent un peu ça. Je suis un amateur, quoi. Mais j'ai voulu le faire quand même. Comment vous faites Johnny, déjà? Je boirais bien un cul. Ça me donnera un cul de fouet. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Moi, j'ai tout vu, déjà. Vous en doutez bien. C'était génial. T'as vu? Ça, ah ouais. Ça t'a calmé, quand même, hein. Maintenant, je vais pouvoir imiter Michel Drucker qui imite Luchini, c'est très fort. Alors, un autre extrait de son One Man Show. Le Parisien, en tout cas, ils sont partenaires du projet. Hein. J'ai vu tellement de choses en 51 ans, je vais les raconter. Ça, oui, ça on l'a vu. Je commence dans 6 mois et je vais faire un petit teasing sans dévoiler ce que je vais faire parce que je suis en train d'écrire tout ça, car c'est mon spectacle qui sera à 100% de moi. Vous savez ce que j'ai fait à Noël? Non, ah, elle est pas bien celle-là, c'est pas le spectacle, nous on veut maintenant. Ouais, c'est celle qu'on vient de voir. Il y en avait d'autres, hein. Elle a exclu les premières images du spectacle de Michel Drucker. Sur Programme TV, je crois que j'en ai. Messieurs, c'est parti. Question pour des champions. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas fait quand ça va. Attendez, il y a une vidéo qui s'est lancée quelque part. Prendre par cœur un texte et le réciter deux fois de la même façon. Mes imitations, vous allez voir, elles sont foireuses. Elles sont foireuses parce que j'imite les imitateurs, mais pas les meilleurs. Donc, il y a une grande déperdition. Alors, pourquoi je suis là?
Eh bien, c'est né d'un coup de fil. Michel, on vous appelle, c'est une semaine importante pour vous faire un bon anniversaire. Je dis, mais c'est pas mon anniversaire. Il dit, mais vous avez l'âge de l'ORTF. L'ORTF a 50 ans cette année. Premier coup sur la tête. Michel, il faut qu'on fête ça. On va vous faire un grand hommage, un tribute à votre carrière en direct. 3 heures en direct. Tous les gens que vous avez croisés, toute génération, les acteurs, les chanteurs, tout ça, les hommes politiques, ils vont venir quand même. Tu vois, alors, ça, ça sent le César d'honneur. Ça sent le sapin. J'ai une autre idée. Je vais aller faire un grand hommage. Je vais aller voir le vrai public. Sans chichi, on t'entend, sans paillettes, sans star, sans caméra. Et puis, on va vérifier tout ça ensemble. Parce que finalement, mes souvenirs sont les vôtres. Vous êtes un homme du passé. La télé de demain passera pas par vous. Ou alors, il faudra vous relooker. Elle passera pas ni par vous, ni par Martin, ni par Pivot. Oh, ma femme qui est là, j'ai oublié ma femme. Elle est là, elle entend. Vous êtes un homme, je n'avais que 47 ans. Vous êtes un homme du passé, la télé de demain passera pas par vous. Oh, je me souviens, Safran, j'ai fait un tour complet. Elle s'est remise comme ça avec ses cafés. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle est arrivée. Enfin, je présente, monsieur le président, je présente mon épouse. Elle dit, ah, on ne voit jamais, pourquoi vous ne venez pas au cinéma? Je suis la femme du has-been de sucre. Ah là là, on est tombé dans du lourd. J'essaie de vous trouver tout, hein, mais c'est pas facile. Hein. Vidéo, merci à vous d'être venu. Le studio a besoin de vous. Berlin-Clock a été kidnappé. Je suis pas payé. Réunissez 100 000. C'est encore une vidéo, putain. Ah, Laurent Ruquier et Willy Rovelli donnent leur avis. C'est bon ça, on veut connaître leur avis. Ah, Télé-Loisirs. Toujours cette musique. Ah, c'est la musique officielle de Michel, quoi. C'est quand que mon âme, qu'est-ce que je dis, il y a un monsieur qui vient de me dire que j'ai perdu. Quoi, tiens, vous faites un coup de boule à cet enculé, parce que... Non, j'ai pas entendu. Mais mange, toi, rire. T'as une tête de buveur d'eau, Je pouvais rien boire. Alors, il a bu à ma place, il a mangé. Dès l'entrée, tout de suite... C'est magnifique, il y a une vraie sonographie. Il a bossé, dit, hein, franchement, et je suis très fière de lui. Je pense qu'il ira très très loin. Déjà, là, il va dans toute la France. Donc, je vois, regardez, il a des dates partout. Donc, allez le voir, parce qu'il ira très loin, près de chez vous. Et voilà. Je suis très agréablement surpris. D'abord, parce que je trouve que c'est un spectacle classe, par la scénographie, par la façon dont ça a été préparé. Ça aurait pu, il aurait pu faire ça avec 3 bouts de ficelle. Michel est arrivé sur scène, les gens l'aiment tellement, de toute façon, ils viennent pour le voir, pour l'entendre, qu'il aurait pu se contenter d'arriver sur scène, prendre un micro, et ça suffisait. Et au fond, non, c'est mieux que ça. Et c'est ça qui est agréable, c'est de le voir sortir de l'écran, en fait, c'est ça. C'est une très belle idée de mise en scène, je trouve. Il est compliqué, cette idée de mise en scène. Du fameux écran dans lequel on l'achète avec, comme il le dit à la fin, mais c'est ça, il sort de l'écran et il arrive sur scène. C'est une très belle idée de mise en scène. On n'a jamais vu ça avant. Je ne suis pas sûr qu'on verra ça après, parce que des tauliers du PAF, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est un spectacle unique, quelque part. Et je crois que les gens auront ce qu'ils viennent voir, mais avec, je trouve, beaucoup d'élégance. Voilà. Les gens auront ce qu'ils viennent voir, mais avec beaucoup d'élégance. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai rien compris. Bon voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce que j'avais déjà vu. Ça donne vraiment envie. Ah, je crois qu'on n'a pas vu celle-là. La musique officielle de l'Eurovision. Et juste pour 43 euros. En pleine nuit, en plein soleil. Est-ce que t'as vu Apocalypse là? J'ai vu à 4 heures du matin, j'ai rien vu. Qui c'est Apocalypse là? Les hélicos qui attaquent le Vietnam à 4. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que je veux faire le Stade de France et je veux que tu me déposes en hélicoptère sur la pelouse, juste au milieu de la fumée. Je dis, c'est pas possible, je dis. Impossible. Aucun hélicoptère peut survoler une foule. Si, je me suis renseigné, les Beatles, ils l'ont fait à San Francisco en 65. Il n'y a que les hélicos du SAMU
de la sécurité routière et des pompiers qui peuvent survoler une foule. La bande arrive avec 4 hélicoptères de Samuel. On a à peine décollé, on est à 30 secondes de la défense, on va arriver pas loin du Stade de France. J'ouvre la porte coulissante pour qu'on voit bien parer à ses pieds. Et là, il me dit arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite, j'ai perdu. Moi, je suis venu jeudi, j'étais jeudi ici, j'ai répété jeudi. Toute l'après-midi, j'ai répété encore cet après-midi. J'ai répété beaucoup, beaucoup, beaucoup à Paris. Puis maintenant, ben, je sais où j'en suis, quoi. Mais je suis content parce que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que les gens m'ont dit que c'était pas un spectacle qui ressemble aux autres. Voilà. Je regarde toujours énormément. C'est pas un spectacle qui ressemble aux autres, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Jacques, non. La semaine dernière, j'avais que des mannequins. Oui, t'avais des mannequins, je me parle des gonzesses. Et sinon, à part ça, dans le parc, tout va bien, ce qu'on voit pas que c'est la chasse aux vieux. Dis donc, et dans le showbiz, comment ça se passe? Qui baisse qui? Mon problème, c'était que la voix tienne, mais elle a tenu. Maintenant, faut voir ce que c'est que d'enchaîner deux villes. Enfin, tous les 30-35 villes que je fais, c'est une ville différente. Le vendredi et une ville différente le samedi. Donc, il faut que je vois dans quel état je vais sortir de Vivement Dimanche. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Ça, c'est vrai que il avait géré, quoi. Je vais vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aurais dû la baiser. Ça a été un cataclysme que vous imaginez pas. Toute la presse américaine a titré Whitney Houston harcelé sexuellement, insulté sur un plateau de télévision par un chanteur sous. Ça a été une catastrophe. Et il faut que je prenne mon temps et pas que j'enchaîne trop vite, parce qu'à la télé, il n'y a pas de temps mort. Mais voilà, je pense que je suis à 60-70%. Enfin, les copains du métier qui étaient là m'ont encouragé. Les vidéos, elles changent de vitesse sur leur player, ça fait des choses trop étranges. Bonsoir, William, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. On sent qu'à nouveau, il faut faire jeune, mais c'est périodique. Alors, il faut faire avec. Et il faudrait quand même que les grands patrons qui dirigent la télévision sachent que dans moins de 25 ans, c'est demain, un Français sur trois aura plus de 60 ans. J'aimerais bien que... Putain, on va vraiment être un pays de vieux. Charles Aznavour, Jean d'Ormesson, Lynn Renault et Annie Cordy, qui pour moi sont encore jeunes, parce qu'Aznavour, je peux vous dire sur scène, à 90 ans, qu'elles le sont. 90 ans, Aznavour, il est encore jeune. Cette phrase, quoi, faut oser la sortir. Hein. Michel, il a peur de rien, quoi. Je suis sur mes gardes. Attends, il a dit il est encore jeune ou il fait encore jeune? Non, il est encore jeune. Dans des lieux publics. De toute façon, il fait ni l'un ni l'autre. Non. Moi, ils me connaissent pourquoi? Parce qu'ils passent souvent chez leurs parents ou leurs grands-parents le dimanche après-midi. Donc, moi, ils me connaissent. Mais je pense qu'ils ne regardent pas la télévision, les jeunes. Ils ont d'autres supports. Il n'y a pas la touche à la télévision. Non. Non, moi je pensais qu'il n'arriverait rien à Patrick Pambard. Et moi je penserais qu'il n'arriverait rien dans l'immédiat. Je ne comprends pas, j'ai une pub avec Michel Drucker alors que j'ai un bloc. Qu'il y aura encore beaucoup de choses à vivre avec ces gens de cette génération, parce que c'est la transmission aussi. Je me dis que ça peut être un jour peut-être une activité à temps plein avec la radio que je referai peut-être. Il veut faire de la radio et ça à temps plein. Chose, mais quand j'aurai arrêté la télévision, ou lorsqu'on m'aura demandé de partir, je pense que ça sera quelque chose qui va faire partie de ma vie. La preuve, c'est que je pense déjà au deuxième spectacle. Il pense déjà au deuxième spectacle. Et il a dit que les jeunes, ils regardaient plus la télé. Hein. Donc il y a quand même de l'avenir. Il est conscient des choses. Hein. Bon, allez, c'est l'heure d'un vrai cassez-vous. Vous connaissez. Alors, en plus j'ai découvert un truc là qui était bien, mais attendez, j'essaie de vous retrouver ça.
Oh là là, j'ai regardé beaucoup trop de vidéos récemment en plus. Attendez, je l'ai envoyé sur Twitter. Oh non, pas ça. Ah non, je l'ai vu ce matin. Non, mais en privé. Ah. Non, je l'ai envoyé sur Twitter au gars de Linguistique. Ah. Ah. Allez, on va s'en faire un ou deux. Moi, je coupe le son, je vous laisse profiter. C'est un cassez-vous, vous connaissez la règle. Des bisous à tous. Merci, Pilou, encore. Et puis sûrement, on va essayer de continuer demain, si on a un peu de temps. Eh ben, écoute, ça me va. Ok, ça marche. Des bisous à tous, c'est parti. Mon fond d'écran, il est sur Nesblog. C'est un dessin de Gabi. Vous pouvez le retrouver sur Nesblog, voilà. Des bisous à tous, bonne écoute. J'espère que ça va vous plaire. On se quitte en musique. Salut à tous. Alors, non, vous ne rêvez pas, je vous le montre quand même. Ce clip a à peu près 45 secondes de noir à la fin, non supprimé. Voilà, hein, c'était juste. On continue, les amis, vous inquiétez pas, il en reste. J'étais pas la meilleure, toujours la table. Ah oui, elle change de couleur aussi. J'étais déjà de mon heure, mais je n'étais qu'une enfant. Toujours le sourire aux lèvres, malgré un père absent. Mon cœur est de pierre, depuis que t'as quitté maman. Laissez-moi rêver, ce monde me donne le vert.
fiche, le temps est passé, mais je ne vois pas aucune vie. Beaucoup m'ont blessé, mais j'ai su oublier le vide. Des déserts, j'ai traversé pour pouvoir écrire ce livre. Au fil du temps, j'enchaîne les échecs, mais la roue tournera peut-être. Au fil du temps, je compte que sur moi-même. Je me débrouille et j'oublie mes peines. Faut pas que je fonde, fonde. J'suis dans mes coches et vide. J'veux dire au monde que j'n'ai plus peur du vide. Faut pas que je fonde, fonde. J'suis dans mes coches et vide. J'veux dire au monde que j'n'ai plus peur du vide. Il suffirait d'un signe, d'une note, d'une ligne. Changer ton destin. Écoute Dieu qui te guide. Il sera le seul à te tendre la main. Sur ma route j'ai vu tomber combien d'espoir. Malgré les doutes et les coups bas, dans le reflet du miroir, un souvenir de toi. Dans ce cauchemar j'y ai trouvé ma voix. Combien de vies, combien m'ont promis. Combien de mes amis sont en fait mes ennemis. Dans ma chute, moi tous les jours je lutte. Oublier les coups durs et tout recommencer. Sur ma route j'ai vu tomber combien d'espoir. Malgré les doutes et les coups bas, dans le reflet du miroir, un souvenir de toi. Dans ce cauchemar j'y ai trouvé ma voix. Il suffirait d'un signe, d'une note, d'une ligne pour changer ton destin. Écoute Dieu qui te guide. Il sera le seul à te tendre la main. Je veux dire au monde.